Bonsoir les copains, bonsoir à tous, bienvenue pour le numéro 4 carton jaune de teamfootball.fr. Ce soir ça va être bouillant, vous savez pourquoi, merci à vous, je vous explique pourquoi, parce que c'est le numéro 4 et sur les 3 autres d'avant, on va arriver vers les 100 000 déjà, donc c'est énorme, merci à vous sincèrement, parce que ça c'est uniquement sur Twitch. À 100 000 uniquement sur Twitch, les amis. Et il reste tous les autres, YouTube, machin, on n'a pas pu tout compter. Donc, encore une fois, je me répète, sans vous, on n'est pas grand-chose. Donc, je vous remercie sincèrement. Et n'oubliez pas, continuez à suivre teamfootball.fr sur tous les réseaux, YouTube, X, pardon, je me suis trompé, Twitch, Insta, tout, TikTok, on est de partout. Et ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je suis avec... Salut à tous. Je vois qu'il y a certains habitués. Je suis avec un nouveau coéquipier. Ça me fait plaisir parce que je l'ai connu à l'époque où je travaillais à Brut avec mon ancien collègue et c'était un habitué. Et donc, comme il était très à l'aise avec nous, je me suis dit, hop, je vais le récupérer, on va essayer de lui donner de la force. Donc ce soir, c'est Asdin Sané. Ça va, Asdin? Salut, Jus, salut. Ça va, impeccable, merci. Super, t'es prêt, super. Merci encore. Là. Ouais, chaud bouillant, vraiment. C'est vrai? Ouais, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir, je te le dis. Moi, plaisir partagé, vraiment, tu sais. Bon, vas-y, envoie-nous le sommaire un peu, là. Bah écoute, alors le sommaire, ça va être très simple. Hein. On va commencer par parler de l'actu du jour. Hein. Il s'est passé pas mal de choses sur les pelouses européennes, notamment ce week-end. Donc on va en parler un petit peu. Il y aura juste après le rouge direct, voilà, le rouge de Monsieur Julian Palmieri. Donc voilà, on sait que dans sa carrière, il a été connu pour avoir notamment des cartons et des rouges également. Donc voilà, on va en parler. On va ensuite faire le marquage à Klotz et la commission de discipline avec notre invité qui va arriver. L'invité qui est friand aussi des commissions de discipline, comme notre collègue Julian Palmieri, juste ici. Non. On va enchaîner juste après avec le WhatsApp. Donc voilà, on parlera aussi d'actu foot de manière générale et d'un sujet en particulier. Le duel, ensuite, qui va venir. Je ne vous spoil pas le sujet tout de suite, histoire de vous garder un petit peu, de vous tenir en haleine. Et puis, on finira par le traditionnel « j'ai pas touché ». Donc voilà, j'espère que ce sera une émission géniale cette fois-ci pour ma première. Et je passe la parole maintenant à Ju pour introduire tout ça davantage. Ça va être, je te rassure. Ça va aller tranquille, on n'est pas inquiet. Je te le dis, on n'est pas inquiet, pas d'un brin. Bon, jamais. Aujourd'hui, vous savez, les amis, c'est un invité un peu spécial, vous l'avez vu sur la photo. Spécial, pourquoi? Parce que je l'ai dit, c'est... J'essaye de faire venir que des gens que j'apprécie, avec qui j'ai joué. Ou pas, attention, parce que comme l'a dit Asdin, je vais pas spoiler, mais la semaine prochaine ça a été un footballeur, un très grand footballeur, mais aujourd'hui il est devant la caméra et je peux pas donner d'indice, hein, mais c'est un peu le chouchou de la télé. En tout cas aujourd'hui c'est KU, les amis, je peux rien vous dire d'autre à part que c'est quelqu'un qui a malheureusement eu une étiquette collée sur lui toute sa carrière, alors qu'il était bien au-dessus de ça. Et ça me fait vraiment plaisir, encore une fois, qu'il puisse venir ce soir s'exprimer, parce que, encore une fois, je vous remercie, parce qu'à chaque fois, chaque fin d'émission, je reçois beaucoup les mêmes messages où on me remercie d'avoir invité, je prends l'exemple de Djib ou d'Andy, de Laure, ou même de Brandao, où on nous dit qu'ils ne connaissaient pas l'homme, mais plus le footballeur, et qu'ils ont découvert un peu plus l'homme. Donc, c'est le but de cette émission. Donc, vous verrez. KU, c'est... Salut, Devrine. KU, c'est vraiment... comment je pourrais dire? Dans le milieu, voilà. Et c'est vraiment l'exception, parce qu'il a le cœur sur la main, et c'est pour ça aujourd'hui que... ce soir qu'il est avec nous. Donc, je le remercie déjà, même si il va arriver après, les amis. On ne commencera pas par l'invité, comme vous avez pu le comprendre avec Asdin, parce que l'invité, pour le moment, il est sur la route. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il sera là dans un petit moment. Je ne vous en dis pas plus.
Mais on parlera de tout, bien évidemment, avec lui. On parlera de sa carrière de footballeur, de son après-carrière, forcément, du Sporting, de Lens, de Toulouse. On va essayer d'aller sur Nice. Il y aura de tout. Voilà, de S, de machin. Donc voilà, je suis vraiment sincèrement content que Caillou ait répondu. Toi, Asdine, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Non, vraiment, c'est un plaisir. Donc, pour ma première, encore une fois, je me répète, mais accueillir une des figures emblématiques, quand même, de notre championnat français, c'est vraiment sympathique d'acquérir un grand nom comme ça, quelqu'un d'autant plus que tu connais bien. Donc, encore une fois, le mot d'ordre ici, c'est on est en détente. On n'est pas là pour se prendre la tête ou quoi. Loin des formules, si tu veux, solennelles des plateaux télé traditionnels. On est vraiment là à parler foot entre potes et tout simplement passer un bon moment, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, on se tient au courant là d'ici très peu de temps, mais voilà. Sachez que, encore une fois, comme l'a dit Asdine, il n'y aura pas de filtre, pas de choses cachées, machin. Il va répondre comme on le fait depuis le début, avec le cœur. Et je connais le bonhomme assez bien, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Donc je sais qu'il va répondre avec sincérité. Bon, dis-nous un peu, on va commencer hein, par l'actu, parce que ce Ouais. week-end, fois, il s'est passé pas mal de choses dans notre championnat de Ligue 1. Beaucoup de choses. J'aimerais commencer par parler, si tu veux, des résultats du week-end. On va commencer par parler, si tu veux, de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, le vendredi qui s'est imposé face à Montpellier 3 buts à 0. J'aimerais te poser la question, toi, premièrement, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que le PSG a eu un visage qui t'a séduit ce vendredi? Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de la rencontre? Écoute, moi, le PSG, je suis encore dans une. On arrive au mois de novembre et j'ai encore un peu de mal à les situer. J'arrive pas trop à comprendre la vision de Luis Enrique. J'arrive pas. En fait, alors je sais pas si c'est les joueurs ou si c'est lui ou s'il a encore des doutes sur certains joueurs. Mais j'arrive pas à le cerner. J'arrive pas à cerner et Luis Enrique, qui on le sait, bon, moi ça m'arrange parce que les médias, voilà, c'est que du pipeau. Donc je suis très content quand il répond avec le cœur. Mais en tant qu'entraîneur, il est très bon. Mais j'arrive pas à le cerner. Et ce week-end, ça a été l'exemple parfait parce qu'ils ont été très bons. Avec un Lee encore. Moi j'adore ce joueur. Mais Ouais, superbe joueur. il a été extraordinaire et bon après c'est peut-être parce qu'il est gaucher mais je le trouve vraiment au-dessus mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui cherche donc c'est une équipe qui cherche et on arrive au mois de novembre. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'ils sont pas premiers mais bon on en reviendra et on expliquera pourquoi et c'est une très bonne chose mais moi j'ai du mal avec ce PSG-là alors que finalement je pensais que c'était une bonne chose. Que Messi parte, Neymar pas trop, mais que Messi parte. Et là, finalement, avec Messi, ça aurait été pareil, voire pire, mais j'ai pas l'impression que ça soit une équipe faite pour aller au bout, parce qu'on se cache plus. La Ligue 1, maintenant, c'est très bien, ils sont contents, ils la gagnent depuis 10 ans, mais ce qu'ils veulent, c'est la Ligue des Champions. Oui, Donc, on le sait. ils sont en ce moment dans un. Je l'ai vu là, ils sont dans un bon moment, ils sont dans une bonne phase, mais j'ai l'impression que ça joue à rien. Tu vois, avec le coach, Ouais, bien sûr, on voit. que c'est sur un fil et que ça a double tranchant et qu'à tout moment, il peut se repasser Newcastle. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On l'a vu encore, si tu veux, mais la semaine dernière, au match face à Brest, où on a une première mi-temps qui est maîtrisée de A à Z. Et puis, sauf qu'en fin de première mi-temps, gros bémol, avec ce but encaissé, et derrière Brest qui revient au score. Le PSG qui s'impose sur un pénalty plus que discutable. Alors, encore une fois, on sait que cette équipe-là n'est pas infaillible. Mais quand on voit encore ce qu'on était capable de produire vendredi et le résultat face à Brest la semaine dernière, tu te dis qu'il y a une incohérence. Une équipe qui vise, qui aspire à gagner la coupe aux grandes oreilles, elle se doit d'être régulière et de ne pas faire ce que de frayeur comme ça. Pour avoir assisté au match vendredi, notamment avec les copains de la fac que je salue tous,
C'est vrai que ce vendredi, ils ont été impressionnants. Tu parlais de Kanginli. J'ai trouvé aussi Zaïre Emery très impressionnant dans le jeu. Ouais, bon, C'est vrai c'est que vrai. c'est un jeune dont on parle énormément et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais vraiment très très bon dans l'impact. Et moi, si tu veux, même, j'ai terminé sur ça pour le PSG. Ensuite, on enchaînera. Kolo Muani, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Moi, je trouve vraiment que c'est vraiment très mauvais depuis le début. Il a montré quelques belles choses, mais il est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui et surtout du prix auquel on l'a recruté. Ouais, c'est l'exemple parfait, Kolo Muani, de ce que je disais juste avant. Il se cherche. Il se cherche. On en avait parlé avec Djibril. Il s'était, je crois que c'était vu ou appelé. Non, il s'était appelé, je crois. Et Djibril lui avait un peu, pas remonté le moral, si tu veux, mais lui avait un peu parlé et lui expliquait que forcément. Avec le prix de son transfert, il allait avoir des attentes élevées et tout, et que lui, apparemment, il n'avait pas trop de pression. Moi, je trouve quand même qu'il faudrait quand même qu'il se mette un peu de pression, parce que pour le moment, c'est assez faible, Kolo Muani, pour pas dire autre chose. Et surtout qu'à côté, il y a des mecs qui cartonnent. Il y a Dembélé qui est bien revenu. Alors c'est Dembélé, ça reste Dembélé. Ouais. Il a fait du Dembélé encore, mais il a été un peu plus consistant, tu vois, un peu plus, je vais pas dire crédible parce qu'on parle quand même d'un mec qui a joué au Barça et tout, mais voilà. Bon, après il y a Mbappé, machin, mais dans tout ça, il reste Kolo Muani. Alors on sait très bien qu'Mbappé, bon, il a poussé pour le faire venir, mais je reste sur ma faim pour cet attaquant. Et moi, j'aimerais revenir, comme tu l'as dit, j'avais zappé Zaïre Emery. Bon, là, on a appris, parce que maintenant, il n'y a plus de surprise. Normalement, il sera en équipe de France, il va être appelé par Deschamps. Donc, bon, je ne sais pas comment ils savent, les gens, mais bon, apparemment, c'est officiel. Je trouve que c'est mérité, parce que Tout à fait. Mbappé, il l'avait dit, on ne parle pas Ouais, d'âge. ouais. On ne parle pas d'âge. Exactement. Et quand on voit le mec, ce qu'il est en train de faire à son âge, c'est juste impressionnant de maturité. Quand je pense, en fait, bon, y a aucune concurrence et il n'y a pas de comparaison, mais un mec comme Cacré, si tu veux, où Ouais, ouais, justement, quand il est sorti, on en attendait beaucoup, on en parlait beaucoup, et ouais. ça a été un flop total, alors que Ouais, Zaïre ouais, Emery, il a été mis doucement. Je trouve que Galtier l'a quand même pas trop mal géré, même si deux, ouais. trois C'est fois il vrai, l'a ça. envoyé au feu. Mais je trouve qu'il a été bien géré. Et aujourd'hui, c'est fou parce qu'il a 18 ou 19 ans, je pense. Là, ouais, Mais je crois qu'il a 18, ouais. ouais, 18, t'as l'impression que le mec, il a 30 ans, quoi. C'est ça, ouais. Tout à fait. Et le truc, c'est que je lui vois pas trop de. Pour le moment, j'arrive. Je lui vois pas de limite, en fait. J'ai l'impression qu'il est encore Ouais. en train de progresser. C'est ça. Bah, ce qui est bien avec son jeune âge, c'est que si tu veux entourer de milieux comme ça, il a la possibilité, si tu veux, de step up à chaque fois, à chaque match. Et il n'a pas de limite, c'est-à-dire que physiquement, il est au rendez-vous, et plus qu'au rendez-vous même, parce qu'il bouge des papas de famille à peine 18 ans. Et techniquement parlant, c'est remarquable. Sur les 4 derniers matchs, il est décisif de nombreuses fois. Et encore buteur vendredi. Donc, et même si tu veux, dans l'amour que lui portent les supporters au parc, comme je t'ai dit, pour y avoir été, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point il est aimé, ce joueur-là. Et je trouve que c'est un des rares joueurs du centre de formation que le PSG a bien suggéré ces dernières années. Parce qu'on parle beaucoup du centre de formation du plus grand club de France aujourd'hui, qui est un petit peu défaillant. Mais sur ce coup-là, ils ont été vraiment très, très judicieux et très astucieux de le garder, de faire grandir petit à petit, et surtout de l'inclure directement dans l'effectif pour qu'il puisse grandir avec ses joueurs avec qui il a l'habitude de jouer aujourd'hui. Donc vraiment, c'est bluffant ce joueur. Bluffant. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Merci, hein, pour vos messages. Je vous rassure, on les voit, hein. J'ai vu Melkim, je crois, où il me remerciait pour la pépite contre le PSG. J'avais 11 ans. Bon. Après, j'ai vu que, je sais plus, je crois que c'est la même personne, je crois, qui parlait pour Kolo Muani, qui disait que tactiquement, c'était pas fait pour lui, en fait, cette tactique-là. C'est pour ça, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que Kolo Muani, c'était l'exemple parfait parce que je vois, j'arrive pas en fait à voir dans quel système
il serait le mieux, en fait, ce joueur. J'arrive pas c'est à le cerner. Ouais. Ouais, j'arrive en fait, pas à le cerner, mais... poste, hein. J'arrive pas à savoir si c'est un pur attaquant de pointe ou s'il peut, avec Mbappé, permuter. Je sais pas. Ouais. J'ai l'impression déjà, on est beaucoup moins dur avec lui. Bon, après, attention, il y a une classe d'écart. Et que Ekitike, alors que il a disparu des radars. Au placard. Terminé, au placard. Et pourtant, Colomwani, donc statistiquement, déjà, ce n'est pas incroyable. Et en termes de qualité, comment dire, en termes de. Bah, pas intrinsèque, mais justement dans l'effectif et pour se noyer dans l'effectif, pour être un peu avec au même niveau que les autres, il lui manque énormément de choses. Voilà. Ouais. Donc, on ne va pas parler pendant toute la soirée du PSG. Mais c'est vrai que ces deux joueurs-là représentent exactement ce que je voulais mettre en lumière, le fait que le PSG, pour moi, ça ne reste que mon avis, mais j'arrive toujours pas à les cerner, même si en ce moment, ils sont dans une bonne phase. Et tant mieux pour eux. Je sais pas. Je sais pas si ça vient de leur entraîneur, si ça vient de la tactique, si ça vient de ce qu'il veut faire passer des joueurs. Mais paradoxalement, tout le monde dit que ça a l'air plus costaud. C'est pas faux parce que ça fait un peu plus vraie équipe, parce qu'il y a pas de star à part Mbappé. Mais j'arrive pas. Pour moi, j'avance dans l'ombre avec ces mecs. Je sais pas. Ouais. J'arrive pas. Non, tout à fait d'accord. Hein. Et si tu veux, à titre de comparaison, on va rester dans le même championnat et ça nous offre une magnifique transition. Je trouve qu'une équipe comme l'OGC Nice est beaucoup, beaucoup plus cohérente que celle du PSG, qui s'est encore imposée ce week-end 2-0 face à une solide équipe de Rennes, mine de rien. Et ouais. Je te propose d'en parler un petit peu du sujet, parce que c'est vrai que Nice, ça fait quand même 11 journées qu'on est sur le championnat de Ligue 1. Et Nice est un solide leader. Et à ce jour, pas présenté de défaillance notable. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais moi, Nice, c'est une équipe qui me surprend parce que afficher des performances remarquables comme ça et ce contre des gros noms, c'est vraiment quelque chose de surprenant que sont en train de faire les Niçois. Mais Nice, je crois qu'ils ont presque tapé tous les gros ou du moins pas perdu contre les gros. Ouais, pas perdu, oui, ça c'est sûr. Et c'est vrai que eux, c'était un peu pareil. On avait avec ce coach, on avançait un peu dans le brouillard, parce que c'est vrai que bon, c'est un peu la mode en France en ce moment, un peu comme Reims. D'ailleurs, tu parles d'équipe surprenante, de jeunes coachs qui révolutionnent un peu tout ce qu'on avait en tête sur le football. Et force est de constater que Farioli, c'est quand même une très très bonne surprise. Ouais, j'ai regardé le match contre Rennes. Bon, alors après Rennes, ils sont dans une phase. Ouais, c'est descendant un petit peu là. Compliqué. Ouais, j'arrive pas trop à comprendre le plan de Genesio. Mais Nice, je trouve que ça fait un beau premier pour le moment. Ouais, un beau premier. Et c'est solide. J'ai vu là, je crois qu'ils ont pris. 13 buts. Non, ils ont pris. Je ne veux pas dire de conneries, mais ils ont pris. Non, ils ont pris 4 buts, je crois, ou un truc comme ça. Quand tu vois la charnière, c'est vrai que c'est compliqué à passer. Hein. C'est l'une des meilleures défenses d'Europe. Moi, je suis fan de Mofi. Incroyable. Parce que Marseille, vraiment, j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. But contre 4. Ils ont pris 4 buts. À titre de comparaison, le PSG, ils en ont pris 9, ils sont seconds, et c'est le PSG. Et ils ont marqué 13 buts. Je trouve que pour le moment, Nice, c'est costaud, c'est solide. Maintenant, est-ce que ça va durer? Parce qu'il y a l'année dernière aussi, je ne sais pas si tu t'en rappelles, quand il y avait eu Digard, à un moment donné, ils étaient en fire. Et après, ça s'est un peu écroulé et tout. Mais moi, j'aime bien ce coach. J'aime bien ce qu'il propose. Après, il y a des joueurs qui se révèlent. Je pense à Mevlin Barthes, l'arrière gauche. Fan de ce joueur, hein, vraiment. Voilà, qui était dans le dur depuis qu'il était à Nice. Et là, il est en train d'exploser. Bon, Mofi, j'en ai parlé. Je pense que je te l'ai dit, Marseille,
ils vont le regretter pendant des années. Todibo, ça reste au top. Dante, j'ai l'impression que c'est Benjamin Button, tu vois, qui plus il joue, plus rajeunit. Donc en fait, c'est ouais. Par contre, Tom a raison, il met très peu de buts. Donc il va falloir faire attention à ça parce que il y a un moment donné où peut-être qu'il va y avoir un coup de moins bien et qu'ils ont peut-être pas l'effectif pour perdurer à ce niveau-là, mais pour le moment c'est un champion, c'est un premier qui pour moi est amplement mérité. Vraiment. Ouais, tout à fait. Il gagne avec la manière. J'aimerais aussi revenir rapidement sur le cas de Dante. Après on passera à d'autres rencontres si tu veux. Concernant le cas de Dante, il a pas loin de, je crois qu'il a passé la barre des 40. Hein. Oh, je pense qu'il est pas loin des 40. Et il continue à défendre comme si, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme si c'est comme si c'était un genou vraiment. Et je pense aussi qu'il est, il est aussi pour beaucoup dans ce jeu avec maturité qu'a Nice depuis le début de saison, dans la mesure où il va venir, si tu veux, fédérer, investir quelqu'un avec autant d'expérience, si tu veux, même d'un point de vue international. Ça aide quand même énormément quand tu vois que l'effectif est composé aussi de pas mal de jeunes. Je pense qu'un joueur comme ça dans l'équipe, ça aide forcément. Ça aide vraiment beaucoup et je pense qu'il y est pas mal pour le succès de Nice en ce moment. Le truc, c'est que il est, bon, on l'a dit, il a 40 ans. Je suis allé voir, c'est un 83. Il a 40 ans, mais tu as l'impression que dans sa mentalité et tout, c'est un jeune. Il est bon. Alors après, c'est vrai que c'est un Brésilien, donc c'est un peu fêtard, c'est un peu rigolo et tout, mais il se marie très bien avec Todibo. Pour moi, la paire, elle est très bien. Un jeune qui va à 2000 et qui peut couvrir à droite, à gauche, si Dante est un peu moins bien ou quoi un jour. Et à côté de ça, il y a Dante qui est la classe. Tu vois, ça me fait penser un peu, comme je le disais, pour moi, l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué, c'est Marco Bacha. Mmh. Ça me fait penser un peu à ce style de défenseur, tu vois. Et je trouve que derrière, déjà, c'est très jeune, tu l'as dit. Et que c'est bien qu'il y ait un joueur comme Dante, parce que c'est vrai qu'on part de la charnière, mais même sur les côtés, c'est très très jeune. Et c'est bien que Dante arrive encore à, comme tu l'as dit, à fédérer et à remonter un peu le niveau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a eu un gros trou d'air l'année dernière, un très très gros trou d'air. Et carrément, il y a un moment donné où il ne jouait même pas. Et aujourd'hui, il est hors de question de l'enlever, quoi. Donc c'est bien, c'est une équipe qui est assez complète. C'est une équipe qui est assez complète et c'est une bonne chose pour le championnat. C'est une bonne chose pour le championnat parce qu'à derrière, d'ailleurs, la transition elle va être faite. Il y a leur collègue de Monaco. Monaco, c'est aussi costaud, même si en ce moment ça allait un peu moins bien. Là, bon, alors après, encore une fois, il y a encore mes grands copains de l'arbitrage et de la VAR qui ont été extraordinaires. Et on a vu Lesmelou qui a dit que c'était compliqué de jouer à 14 contre 11, ce qui n'était pas faux, hein, parce qu'on a vu, j'ai vu de quoi il parlait. C'était... Bon, l'arbitrage, je pense que si on en parle, on n'a pas fini l'émission d'ici là. Mais Monaco, ça reste quand même ça reste solide. C'est moins flamboyant. C'est pas du football champagne, ça part pas dans tous les sens et tout, mais ça reste en place, c'est solide. Ils ont leur attaquant qui retrouve leur niveau, Golovin, il est en train de revenir. Golovin très très fort, vraiment. Assez bien et ça reste quand même sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Donc bon, il y a une défaite au milieu, mais pour moi, le podium, en ce moment, il est assez logique. Il est assez logique. Même si Monaco, ils étaient en tête et que petit à petit, bon, ça commence un peu à fatiguer. Mais ce qui est normal. C'est dur de tenir la cadence, surtout quand on parle d'une profondeur de banc qui n'est pas forcément présente pour des effectifs qui n'ont pas les moyens que du PSG, par exemple. Qui occupe aussi ce podium, c'est compliqué de garder une longueur, une saison c'est longue, et garder une régularité,
comme ça et afficher un niveau surtout qui te permet de gagner chaque week-end, c'est vraiment pas évident. Quand t'as pas les joueurs qu'il faut et les moyens nécessaires, c'est faisable, hein, mais c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué parce que, comme tu l'as dit, mis à part le PSG, il n'y a pas de profondeur de banc, que ça Non. soit à Nice, que ça soit à Monaco, que ça soit à Reims, que ça soit voilà, que ça soit les trois quarts des clubs, hein, mis à part le PSG. Ouais, l'arbitre, je suis d'accord. Lance en Ligue 1, Lance, c'est pas bon. Ouais, en Lance, c'est Ligue 1, pas oui. bon. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs parce que Ouais, c'est paradoxal. ouais, c'est paradoxal parce que en fait je pensais que la Ligue 1 en début de saison, je pensais que ça allait être leur bouffée d'air pour sortir d'un marasme de Ligue des Champions hyper compliqué, et finalement c'est le contraire, c'est la Ouais, Ligue des c'est vraiment Champions qui étonnant. leur permet de sortir un peu la tête de l'eau. Là ils ont fait 0-0 à Lorient, c'est pareil, Lorient qui est surprenant cette année. Alors je sais pas trop, tu vois, je sais pas trop, c'est pas être mauvaise langue ou quoi que ce soit, mais quand tu vois ce classement, j'arrive pas à savoir si cette Ligue 1, sincèrement, elle n'est pas en train de régresser, Ouais. tu vois. J'ai du mal avec ce championnat de Ligue 1 cette saison. C'est pour ça aussi qu'on a mis avec teamfootball.fr une émission comme ça, parce que j'ai l'impression, et je ne sais pas qui l'a dit là, j'ai vu dernièrement quelqu'un l'avait dit, je l'avais dit aussi dans mes lives, mais pour moi, cette Ligue 1, pour le moment, elle régresse de journée en journée. Alors là, on l'a vu, je crois que cette journée, c'était assez flagrant parce que je ne Ouais, sais pas 13 combien buts il y a eu marqués, de hein. 13 buts 13 buts marqués. seulement. 13 buts marqués alors qu'avant Coupe du Monde, je crois qu'on était autour de 30, tu vois, Ah, l'année dernière. une sacrée descente, Et hein. des équipes comme Lens, voilà, il y a. Bon, alors après, il y a d'autres équipes, hein, on va parler de Marseille, de Lille, de leur confrontation directe, mais j'ai l'impression que le football français, il est dans le dur. Il est même Ouais. dans le très, très dur, sincèrement. Et si tu veux, moi, là où j'ai du mal un petit peu avec certains, bah, on en parlait, le but de l'émission, c'est vraiment de parler sans filtre, comme tu as pu le dire au cours des émissions précédentes, de dire les termes, comme disent les jeunes. Là où certains médias veulent nous faire croire que parce que l'indice UEFA de la France est remonté, parce qu'il y a eu des bons résultats en Ligue des Champions, quand tu regardes le classement des dernières années, pour moi, un championnat qui se veut en allant de l'avant, si tu veux, on doit retrouver une certaine cohérence dans les classements. Là, tu vois des équipes qui étaient capables de faire des choses exceptionnelles il y a de ça 2-3 ans, qui aujourd'hui n'y arrivent vraiment plus du tout. Et quand tu vois la tête du classement, je te prends encore, bon, Marseille, on en reviendra encore un petit peu plus tard. Marseille qui est 9e et Le Havre qui vient à peine de monter en Ligue 1, qui est quand même 7e. Hein. 7e, c'est Ouais. pareil, ils sont à 2 places des places européennes. Et c'est là que tu vois que le championnat de France, tout simplement, c'est vraiment, pour moi, c'est l'électrocardiogramme, c'est un constant. Un coup, tu vas te dire, ah bah tiens, il y a un peu de mieux, mais il y a jamais, c'est jamais, si tu veux, régulier. On peut Ouais. faire, si tu veux, un parallèle en parlant de la Bundesliga. On en parlera un petit peu après. Pour moi, c'est pas le même niveau. La Ligue 1 est vraiment inconstante, mais il y a des équipes surprenantes encore, à l'image de Nice. Je peux faire un parallèle, si tu veux, avec Leverkusen. C'est vraiment des équipes qui sont proches dans la manière de surprendre le public. Et pour le mot final sur cette Ligue 1, vraiment quelque chose qui est inconstant. Et je trouve vraiment pas qu'on va de l'avant. On était beaucoup plus cohérent et plus régulier il y a de ça quelques années. Ouais, ben là, tu vois, je suis en train de. Ouais, Melkis, l'année dernière, c'était. Mais après, l'année dernière, c'était une saison bizarre avec cette Coupe du Monde en plein milieu. Il y a clairement eu je dirais pas des boycotts, mais des mecs comme Messi et Neymar qui se sont préparés pour leur Coupe du Monde et après lâchés. Bon, après Neymar, voilà, malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Mais l'année dernière, voilà, l'année dernière, c'était un peu spécial. Et heureusement, je ne sais pas qui l'a dit, mais qui l'a écrit, mais Marseille et Lens sont restés au niveau toute l'année et ont pu mener une cadence assez incroyable et pas titiller le PSG, mais leur mettre quelques doutes. Cette année, j'ai l'impression que, alors on est au tiers du championnat, mais là je regarde le classement. Bon, alors Lyon, on va en parler, mais Lyon, je comprends plus, j'y arrive plus. Je comprends plus rien dans ce club.
Mais voilà, tu vois quatrième. Moi, je suis très content pour ces clubs-là parce que ça prouve qu'ils travaillent très bien avec des petits budgets. Reims, le coach, moi, je suis fan de ce coach. Ils sont quatrième. Brest, sixième. Septième, Le Havre. Nantes, huitième. C'est des clubs, l'année dernière, Nantes, huitième. C'est un club qui était La zone dans le rouge. très très dur l'année dernière. Tu vois, Ouais. dans le très très dur. À côté de ça, il y a Strasbourg qui a été racheté, qui doit justement passer un cap en termes de club vraiment pas gros club de Ligue 1, mais solide, on va dire, et pérenne. Là, enfin, Strasbourg, ils sont 12e. Le premier barragiste, il est à 2 points. Je comprends pas trop ce qui se passe avec cette Ligue 1 cette année en fait, là on va en parler. Il y a carrément, tu vois, il y a, je sais pas qui c'est qui. Ouais, je pense que Vieira il est pas au niveau tout simplement. Il Mais n'y arrive ça, pas, encore la une marche est fois, trop haute. moi quand je vois comme ils ont viré Antonetti, voilà, c'est un truc qui me surprend. Mais on va en parler un peu de Lyon, mais pas trop. Je vous expliquerai pourquoi. Mais Lyon, j'ai pas de mots. Donc si tu veux enchaîner, Ouais, vas-y, parce que moi je ne sais on va plus garder quoi les dire. cartouches pour on va garder les cartouches pour un petit peu plus tard dans l'émission. Il n'y a aucun problème. Je te propose, si tu veux, de passer à un autre thème, enfin un autre match, moi, qui m'a tenu en haleine ce week-end. C'est le classiqueur en Allemagne, Dortmund-Bayern. Si tu veux, le Bayern, cette année, j'ai du mal. Parce que si tu veux, il y a de ça 3-4 ans même. C'était vraiment le mastodonte qui roulait sur tout le monde, qui mettait des scores tous les week-ends, etc. Et cette année, j'ai l'impression qu'ils sont capables du meilleur comme du pire, le Bayern. En une semaine, là, c'est élimination contre une Détroit allemande en coupe, donc fiasco avec Thomas Tuchel qui ne revient pas de cette défaite. Et ce week-end, au Signal Iduna Park, qui colle en 4-0, avec notamment un triplé d'Harry Kane. C'est vraiment une équipe qui me surprend, parce que Kane, voilà, je le vois dans le commentaire, Kane qui est trop fort, comme c'est dit. Vraiment, ce joueur-là me bluffe. Mais pour parler de l'équipe du Bayern en général, c'est une équipe qui est étrange, si tu veux, depuis un an et demi. L'année dernière, ils sont à un but de perdre le championnat, alors que le Bayern, c'est quand même sur les 10 dernières années, c'est eux qui prennent les 10 championnats d'affilée. C'est une Bah, équipe qui était remarquable. ils sont même derrière quand le match commence. Oui, c'est ça. Quand le match Ouais. commence, c'est Dortmund qui fait un faux pas. Et Musiala, qui est à la 89e, si je me souviens bien, vient les délivrer en leur offrant tout simplement le titre. Donc vraiment, c'est une équipe qui est curieuse. Mais j'aimerais bien m'attarder. Je sais que bon, toi, c'est un profil qui est assez spécial pour toi sur le cas d'Harry Kane, qui s'est parfaitement adapté, si tu veux, à cette équipe du Bayern Munich. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve qu'il est vraiment présent dans tous les registres. Il sert bien les ailiers avec Sané, qui fait un début de saison vraiment en canon. Et Harry Kane qui s'adapte parfaitement entre passes et finitions. C'est vraiment un joueur, moi, qui me régale en ce moment. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, dis-moi ton avis. Harry Kane, moi, on le sait, j'ai jamais été trop fan. Je Ouais, trouve c'est ça. C'est pour ça que je t'ai fait la passe sur ça. que j'ai un peu du mal avec ce mec parce que j'arrive pas trop à comprendre. Alors, j'arrivais pas trop à comprendre en fait pourquoi il restait tant de temps à Tottenham, pourquoi il s'est entêté, et même dans le jeu, j'arrivais pas à savoir quel était son réel niveau, tu vois, par rapport à la première ligue. Et depuis le départ de Lewandowski, il n'y avait plus cet attaquant-là au Bayern, ce tueur, et ce mec qui rendait meilleur, comme tu l'as dit, les offensifs. Et là, il est arrivé. Alors, moi, j'avais de gros doutes. J'avais de gros doutes sur Harry Kane au Bayern. Et il est en train de rester, en fait, sur le niveau qui est le sien, finalement, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et au Bayern, il rend tout l'effectif meilleur. Donc, je vais sûrement changer d'avis parce qu'en fait, c'est comme un Messi. Je pensais, moi, par exemple, j'étais persuadé qu'à part la première ligue, il n'y arriverait pas, si tu veux. Ouais, c'était Et vraiment un championnat finalement, taillé pour lui, quoi. voilà. Et finalement, je sais pas si c'est pas le meilleur joueur.
du club en ce moment, je pense que c'est le meilleur joueur. Ouais, d'accord, tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, je pense que s'il n'y est pas, je pense qu'il est, il serait vraiment, le Bayern serait en difficulté, sincèrement, Ouais. parce que là, je suis en train de regarder leurs résultats. Bah, ça gagne beaucoup, mais bon, ça, voilà, ça gagne des 8-0 contre Darmstadt. Ouais. Bon, après, voilà, après, moi, le Bayern, c'est un club. Bon, déjà, le championnat allemand, pardon, le championnat d'Allemagne, c'est un championnat où il y a énormément de buts, où ça part dans tous les sens. Et je pense Ouais. aussi que c'est pour ça qu'un joueur comme Harry Kane a fait le bon choix. Parce qu'il Ouais, il se savait très régale bien là-bas. que, par exemple, il était soi-disant pas annoncé, mais à un moment donné, il y a le PSG qui s'est initié un peu dans l'histoire. Je pense qu'il a vite fait la comparaison et son niveau l'a poussé à aller dans le championnat, dans la Bundesliga. Mais aujourd'hui, le Bayern, pour moi, c'est plus la machine que c'était depuis, tu l'as dit, depuis, je sais pas combien ils ont gagné de championnat de suite, mais c'est pareil, c'est comme le C'est PSG, je fou, crois. hein? Ouais. Et j'arrive plus trop à me dire qu'ils peuvent aller gagner cette Ligue des Champions, comme on pouvait le dire depuis pas mal d'années. Là, je trouve que c'est un groupe assez, pas basique, pas stérile, pas, je dirais pas comme tout le monde, mais un club déjà où ça se passe pas super bien dans le club. Et pour un club comme le Bayern de Munich, c'est très, 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 très rare parce que c'était l'une de ses forces, justement. C'est qu'un club comme le Bayern était très bien structuré, très solide. Et là, on l'a vu depuis l'année dernière où il y a eu des départs, Salihamidzic, bon, les coachs, Tuchel qui s'embrouille avec Matthäus ce week-end. Ouais, Un encore. truc incroyable en interview. Enfin, j'ai l'impression que le club est, j'espère qu'ils vont recoller un peu les morceaux, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu il y a un peu de merde à l'intérieur. Ouais, je suis tout À à fait l'intérieur. d'accord avec toi. Sur ça, en fait, c'est là où tu vois, si tu... enfin, même si nous, on n'est pas dans le vestiaire pour voir comment ça se passe, tu as l'impression que l'ambiance qui réside à l'intérieur même du club, elle se fait ressentir sur les résultats qui sont très inconstants et incohérents. Si tu vois, si tu veux, il y a de ça quelques années, on ne voyait pas, on n'entendait jamais, oui, voilà, il s'est passé telle chose dans le vestiaire, il y a eu tel et tel désaccord. Si tu veux, pour moi, un club, il rayonne de par, premièrement, son institution. Je te prends un club à titre d'exemple, comme le Real Madrid. L'institution a toujours été bien gérée. Il n'y a jamais eu, si tu veux, de débordement majeur ou quoi. Et c'est pour ça que c'est un club qui fonctionne depuis plusieurs années maintenant. Au Bayern, il y a de ça quelques années, tu n'entendais aucun problème. Là, je te prends encore rien que l'année dernière, l'histoire qu'il y a eu avec Sané et Mané. Tu te dis, tu ramènes un mec d'il y a 3-4 ans, il te dit, mais c'est pas mon club, ça. C'est pas possible. Et c'est là que tu vois qu'il y a quelque chose qui. Il y a eu une cassure à un moment donné. Je ne sais pas si ça s'est effectué un peu avant le départ de Lewandowski. Il y a eu ce bras de fer justement avec son club qui ne voulait pas le laisser partir. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a eu, où il y a eu un problème, mais c'est vrai que le Bayern a besoin de revenir sur les rails et de redevenir la machine qu'ils étaient avant. Parce que là, c'est vrai que tu sens, comme tu l'as dit, qu'il y a de la merde dans le club. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut trouver quelque chose et vite repartir de l'avant. Ouais, c'est exactement ça, mais c'est un peu, encore une fois, c'est un peu à l'image du football européen. Alors on sait pourquoi. Ouais, il y a l'Arabie Saoudite qui est passée entre-temps, mais c'est vrai que le football européen a un peu perdu de sa splendeur. Alors après, ça reste, voilà, il y a City qui est toujours. Moi, je vois pas, à part le Real Madrid en Ligue des Champions, parce que Que le c'est le Real, tout Real Madrid. simplement. Ouais. Mais je vois pas qui peut les stopper, City, sincèrement, parce qu'ils me font peur, sincèrement. Je te jure, je les vois jouer, ça me fait peur. Et ça serait soi-disant la dernière année de Pepe Guardiola parce qu'il s'était fixé la Ligue des Champions et comme ils l'ont gagné l'année dernière, il serait sur le départ. Mais je pense qu'on a souvent dit que c'était facile pour lui, tu vois, parce qu'il avait que des grands joueurs et tout et tout. Moi, je pense que tous les titres qu'il a eus,
Alors, bien évidemment, il a eu les meilleurs effectifs à chaque fois et on lui a donné des millions, mais on l'a vu et on le voit encore, les millions, ça ne fait pas tout. Et il a instauré une culture du football et un savoir-faire qu'on verra peut-être plus nulle part. Et c'est en grande partie, le Bayern d'ailleurs, c'est en grande partie grâce à lui que tous les titres qu'ont les clubs qu'il a coachés ont pu avoir. Donc, moi, pour parler un peu plus large sur le football européen, je vois pas qui peut stopper City, en fait. Non, moi je j'arrive pas du tout non plus parce que quand tu l'as dit juste avant, tu regardes les équipes européennes, il n'y en a pas une seule qui sort vraiment du lot pour venir, si tu veux, titiller City. Parce que tout est tellement déjà en place depuis des années maintenant. C'est un travail de longue haleine. Et tu vois que ça porte ses fruits depuis plusieurs saisons maintenant. Ils enchaînent championnat sur championnat. Alors qu'on le sait, la Première Ligue, c'est vraiment un des championnats les plus compliqués parmi les cinq plus gros européens, si ce n'est le plus dur. Et tu parlais aussi de cette capacité de Guardiola à vraiment faire des miracles, même si on lui a donné toujours des effectifs au rendez-vous et les moyens qu'il avait. Mais si tu veux, moi, il y a un joueur qui cristallise un peu cette capacité de Guardiola à vraiment faire du travail remarquable, c'est Jérémy Doku. Je suis désolé, mais je suis obligé d'en parler dans cette émission. Le match que fait Doku, il est absolument remarquable. Et c'est là que tu vois que Guardiola, c'est pas simplement un mec à qui on a ramené une équipe de fous et qui fait que gagner des titres. Tu regardes le travail qu'il fait avec Doku. Je donnerai pas de nom, hein, encore une fois, mais je pense encore à certains consultants qui disaient que Doku, c'était, pour citer, que du Rotten. tout droit, ouais, Roten, pour pas que du tout droit. Malheureusement, tu vois ces avis-là. Bon, on va utiliser le langage des jeunes, si tu veux. Je les vois comme des footix, du moins sur la vie qu'ils ont là. Comment est-ce que tu peux dire ça d'un joueur quand tu vois le match? Je te montre juste un seul match, hein. Je te parle même pas de ce qu'il fait à côté ou les autres matchs. Je te parle juste de la performance qu'il fait ce week-end. Elle est remarquable. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que t'en dis, mais moi, ce joueur, il m'a complètement bluffé. Mais comment tu peux dire de Doku que c'est un joueur tout droit? En plus, enfin, voilà, ça serait un mec qui n'a jamais joué au ballon. Allez, je peux comprendre. J'en sais rien. Peut-être que le mec, je sais pas, il voit pas les mêmes matchs que nous. Ou peut-être que j'en sais rien. Mais que Jérôme Roten dise que Doku, c'est un joueur tout droit, après la saison qu'il fait, parce qu'on parle de Doku de City là. Mais Ouais, ouais. le Doku de Rennes, c'était quand même déjà solide. Ouais. Et cette année, tu peux pas dire que ce mec-là, c'est un court tout droit. Enfin, bon, alors après, c'est RMC. On sait que les mecs, ce qui leur plaît, c'est avant toute chose le buzz, c'est avant toute chose le fait de se faire cracher dessus, ça leur plaît. Les mecs, voilà, ils sont schizo un peu. Mais moi, ça m'a. Je me rappelle d'ailleurs, j'avais quand Jérôme Rotten l'avait dit, j'avais tweeté sur le fait que Doku, c'était plus qu'un joueur tout droit. Oui, c'est bien plus que ça. Mais là, ce qu'il fait, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est de journée en journée. Tu vois, c'est même pas Ouais. de semaine en semaine. Ah Non, non. c'est de jour en jour qu'il progresse. Et encore une fois, tu peux pas me. Alors oui, bien sûr que c'est en grande partie grâce à Doku lui-même, parce qu'il met toutes les chances de son côté. Mais il y a forcément Guardiola qui a un rôle là-dedans. Il a Bien sûr. forcément un rôle. Et le mec, il met quand même Grealish sur le banc. On Ah oui. parle pas du joueur de Roquefort-la-Bédoule. On parle d'un mec qui l'année dernière était quand même au-dessus et qui faisait partie des meilleurs joueurs du monde. Il l'a dégagé, il l'a mis sur le banc pour s'installer. Ah, tout de Et suite. Guardiola, il fait pas de sentiments, hein, par contre, hein. Il en a Non, rien à non. foutre. Donc, pour revenir à ce fameux tout droit, on le dit dans cette émission. D'ailleurs, les amis, comme je le dis, je me répète, suivez teamfootball.fr, suivez-nous sur tous les réseaux. Nous, on ne fait pas dans le, voilà, dans le la langue de bois et tout. On n'est pas là pour lécher des culs ou faire quoi que ce soit, contrairement à d'autres. Et moi, j'arrive pas à comprendre que des mecs qui ont joué au ballon, voilà, on va pas tous les citer, mais parce que je pense à Jérôme, parce que voilà, j'ai joué avec lui et tout.
mais que des mecs qui ont joué au ballon, qui disent Jérémy Doku, c'est un tout droit. Là, maintenant, j'aimerais, je ne sais pas s'il en a parlé là, de Doku, tu vois, parce que j'écoute pas ses émissions en bois là, mais j'aimerais savoir ce qu'il pense de Doku, tu vois, si aujourd'hui c'est un court tout droit, parce que j'ai vu les matchs, j'ai vu les buts. Je me rappelle de Doku l'année dernière. Alors, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas comment tu peux, quand tu as été footballeur professionnel, dire que Doku, ça a été un joueur tout droit. Moi, je comprends pas. Et je me répète, Guardiola, il fait un travail perpétuel. J'en suis sûr que tous les jours, il est sur lui. Tous les C'est jours, sûr. il est sur lui pour le faire progresser. Et je le dis, ça se voit de jour en jour. De Ah jour en oui. jour. Tu le vois de c'est vraiment j'ai vu la section commentaires là, ils sont un peu ils sont chauds sur les commentaires aussi. Mais ouais, tu le Ouais. vois de jour en jour qui progresse et pour moi c'est vraiment un des transferts enfin récents les plus impactants. On aura l'occasion d'évoquer Bellingham juste après sans oublier Deller non plus. On fera attention à l'heure. Et un joueur vraiment qui a su s'adapter parfaitement, t'as dit qu'il a réussi à foutre Grealish sur le banc. Si je regarde rapidement, bah parce que du coup on en a fait des éloges et des éloges, j'aimerais parler rapidement d'un joueur encore, moi, qui on a vu Doku qui a vraiment pris une place imposante à l'écran ce week-end, mais il y a Bernardo Silva. Je sais, enfin pour Ouais. moi, aujourd'hui, si je parle de football pur, c'est vraiment un des joueurs qui caractérise le plus le foot. C'est vraiment, il fait toujours les bons choix, les bons dribbles, les bonnes passes. Pour moi, c'est vraiment un joueur que j'adore actuellement. Il fait partie des joueurs que j'aime le plus regarder. Et même quand tu le vois, il est élégant, balle au pied. C'est vraiment un joueur que Guardiola a réussi à mettre dans une disposition de sorte à ce qu'il puisse aider le collectif un maximum. Et il l'utilise vraiment remarquablement bien. Ouais, mais Bernardo Silva, ça fait 3 ans maintenant qu'il, enfin 2 ans plus ce qu'il est en train de faire là, qu'il est au-dessus. Et c'est encore une fois, alors c'était déjà un très bon joueur à Monaco, attention, hein, il était clairement au-dessus. Mais c'est encore une fois, je veux pas non plus tout le temps répéter la même chose, mais c'est encore un mec comme Guardiola qui lui a fait passer les cuts. Cut après cut, et d'une facilité assez déconcertante. Quand tu le vois aujourd'hui, c'est juste impressionnant ce qu'il fait. Le mec, il fait 20 kilos, 1 m 30, tu as l'impression qu'il peut dribbler sans forcer. Enfin, tu le dis, c'est pour ça que moi, je me répète, City, je vois pas comment il y a un club en Europe peut se mettre au niveau de City, et quelque part, c'est pas une mauvaise chose parce que ça montre que Guardiola, ça reste le meilleur coach du monde. Mais à côté de ça, je me dis que l'Europe, le football européen, à l'image de la Ligue 1, régresse un peu de saison en saison. Voilà. Et pour répondre à Xavier, tous tes messages montent, je te rassure. Donc Jérôme Roten, c'est un ancien joueur qui a joué au Sporting Club de Bastia. Tu le sais comme moi. Non, mais c'est vrai aussi, tu vois, par exemple, sur ces émissions, j'ai pas envie de parler de longue, mais sur toutes les émissions, MC, l'équipe, on passe notre temps à faire des galipettes pour le PSG. Donc voilà, ça me gonfle. Bon, toi, je sais que voilà, tu es pro-PSG, donc on va pas en parler, mais voilà, c'était juste pour le glisser, Xavier. Et tous, hein, je vous rassure, tous vos messages passent. Je vais répondre à je ne sais plus qui. Non, je ne m'étais pas entraîné à la frappe. Voilà. Je vous rassure, les amis, on va continuer à parler un peu football. On va passer aussi Sûr. à mon carton rouge. KU n'est pas loin. Il va arriver. Ami Bastier, Lensois. Je pense qu'il y a quelques Niçois aussi, forcément. J'ai reçu beaucoup de messages pour nous dire qu'ils allaient l'écouter, c'est une très bonne chose. Maintenant, je sais qu'il va parler avec sincérité, je vous rassure, et c'est une très bonne chose parce qu'il n'avait pas beaucoup parlé après ce qui s'était passé. Et voilà, donc c'est une très bonne chose. On va passer au carton rouge, Asdine.
Oui, bien sûr, je t'introduis tout de suite. Donc, pour répondre aux nombreux commentaires qui parlaient de l'Olympique lyonnais, on nous a demandé de répondre à cette question-là. Je voulais qu'on garde les cartouches pour justement te faire la passe D sur ton carton rouge qui va être principalement centré sur l'Olympique lyonnais. Donc, on t'écoute, Jus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce club-là? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je te laisse la parole et vas-y. Cette grossière faute de Julian Palmieri sur Oscar Trejo, l'Argentin de... Je me répète, il n'y avait pas faute. Ouais, toujours. Le ballon. Alors, moi, mon carton rouge de cette semaine, il est pour l'Olympique lyonnais. On m'a souvent reproché d'être pro-Olympique lyonnais. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai été préformé là-bas, peut-être, alors que j'en ai absolument rien à foutre de l'Olympique lyonnais. Autant que les autres clubs de Ligue 1. Je fais pas de. Attention, rien à foutre, ce n'est pas péjoratif. Hein. Ça veut dire que je suis impartial. Qu'aujourd'hui, et pour en parler, l'année dernière, je travaillais sur un truc ou sur une plateforme où je me devais d'être impartial et je le devais. Et pas plus que l'Olympique de Marseille, pas plus que le PSG. Voilà. C'était l'Olympique lyonnais, pour moi, c'était. Une énigme déjà un peu l'année dernière. Mais alors, cette année, là, honnêtement, je pense qu'ils y vont tout droit. Et ça pue, et c'est triste. Et il y a des choses qui ne me plaisent pas. Le premier, bien évidemment, c'est Textor. Je n'ai pas l'impression que le mec il soit sur Terre. C'est, je pense, la plus grosse pipe en termes de président de Ligue 1. Je le pense sincèrement que le mec, il n'est pas sur Terre. Quand il parle pas de relégation, j'ai l'impression qu'il est plus au Brésil qu'à Lyon. En 3 jours, le mec, il est parti là-bas, il a mis le maillot de son club avec la casquette du Brésil, il est en train d'insulter les arbitres, alors que 3 jours avant, son club à Lyon, ils sont derniers, il rigole au nez d'une journaliste qui lui pose une question sur la relégation. Derrière, les joueurs, tu as l'impression qu'ils vont prendre conscience. De la situation, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire l'Olympique lyonnais. Il y a Grosso, malheureusement, qui me fait de la peine parce que tu as l'impression qu'il est un peu perdu. Là, il est parti seul devant les supporters. Enfin, je me rappelle pas avoir vu un coach de Ligue 1 ces dernières années avoir fait ça, prendre le micro et aller parler au groupe de supporters principal du stade. Moi, je ne me rappelle pas. Et ils vont tout droit à la catastrophe. Je pense qu'il y a des mecs qui font plus de mal que de bien au club. Et c'est des mecs qui, à l'époque, étaient adulés. Donc, je pense à Tolisso, c'est l'exemple type de ce que je dis. C'est ce mec-là, il faut le dégager des vestiaires le plus rapidement possible. Je ne sais pas, alors bien évidemment, hein, Marco, il ne m'écoute pas, il ne me regarde pas. Mais si y a des Lyonnais qui peuvent commenter ou quoi que ce soit, Tolisso, je vous le dis. Je vous le dis après. Voilà, j'ai quelques connaissances parce que je ne suis pas parti depuis longtemps. Tolisso, il pourrit le vestiaire. Lopez, il pourrit le vestiaire. Je vois beaucoup de supporters. Lopez, c'est un pur Lyonnais. Lopez, heureusement. Lopez, les gars, je vous le dis, Lopez et Tolisso, ils tirent le club vers le bas. Ils tirent le club vers le bas. Et c'est des mecs comme ça qui vont tuer leur propre club. Ils vont faire du mal à leur propre club. À côté de ça, il y a des mecs, on leur tombe dessus. Ils y sont absolument pour rien dans cette situation. C'est une catastrophe, le niveau de jeu. Il est catastrophique. Les mecs, j'ai regardé le match. Ils font pas 3 passes. Ils font pas 3 passes, les mecs. C'est une catastrophe. Tu regardes l'effectif, sincèrement. J'ai regardé le 11. Il y a 7 joueurs que je connaissais pas. Sincèrement, hein, que je connaissais pas par rapport à ce que représente le club. Voilà, l'Olympique lyonnais. On parle quand même d'un club, d'un des meilleurs clubs européens des années 2000, du meilleur club français des années 2000. Et aujourd'hui, il est dernier et c'est le seul club européen à ne pas avoir gagné un match.
C'est une catastrophe. Le club, il va à sa perte. Et si Textor, il ne se réveille pas, là, encore une fois, on a vu Parker, je ne sais pas si vous l'avez vu, les amis, Parker ouais. qui prend le micro à la fin, bon, déjà, qui était assis à la place du président, et qui dit qu'il va revenir dans l'organigramme du club avant que ça soit fait. C'est des choses dans un club, soi-disant, gros club français qui doivent jamais arriver. Jamais, jamais, jamais arriver, ça. C'est des mecs qui doivent... J'aime beaucoup Parker, mais c'est des mecs qui doivent rester à leur place et ne pas s'occuper de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et ce club-là, sincèrement, aujourd'hui, il me fait de la peine. Il me fait de la peine à voir parce que s'ils descendent, ça va être une catastrophe pour le club. Parce qu'ils ont un stade qui est déjà à moitié vide. Ils ont un président qui, à mon avis, ne va pas mettre un euro s'ils descendent. Ça peut être très dangereux et ça peut être une catastrophe pour le football français. Je le dis franchement, si Lyon descend, c'est une catastrophe pour le football français. Ils auront ce qu'ils méritent. Ils auront ce qu'ils méritent parce qu'aujourd'hui, on les voit jouer. Sincèrement, j'ai l'impression de voir une équipe de nationale. Lacazette, c'est l'ombre de lui-même. Derrière, ils n'arrivent pas à faire un plat du pied. C'est au milieu qu'Akré, il régresse. Il fait comme Doku, mais il régresse de jour en jour. J'y arrive plus avec cette équipe. J'y arrive plus avec ce club. J'y arrive plus avec ces joueurs. J'y arrive plus avec ces dirigeants. Et les deux seuls qui me font vraiment chier dans cette histoire, c'est Marco Grosso et les supporters. Voilà. Parce que c'est les deux cocons qui ont la lucidité de se dire que le club va droit à sa perte. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur l'Olympique Lyonnais, parce que ça me fait vraiment chier. On va me dire, ouais, mais parce qu'encore une fois, c'est l'Olympique Lyonnais. Je vous le répète encore une fois, j'en ai absolument rien à foutre de l'Olympique Lyonnais. Quand je dis rien à foutre, ça veut dire que c'est pas mon club préféré. Mon club préféré, tout le monde le sait, il est derrière moi. Je suis impartial en Ligue 1, mais de voir un club comme ça, ça me fait de la peine. Donc, je voulais juste m'arrêter sur ce carton rouge, sur ça, parce que c'est d'une tristesse sans nom de voir ce club-là à ce classement-là avec ce nombre de points. Voilà, les amis, je voulais dire ça. Asdine, tu peux continuer si tu as quelque chose. Écoute, là, tu as littéralement tout dit sur le club. Et moi, j'aimerais juste rebondir sur le fait que, si tu veux, les fautifs, on les connaît. Je pense qu'à partir du moment où, si tu veux, la direction n'est même pas d'accord entre elles et n'est pas capable de produire du travail qui va vers l'avant, quand tu vois que même à la tête du club, on s'en fiche royalement des résultats ou quoi que ce soit, tu sais qu'ils vont foncer droit dans le mur. Et là où je te rejoins sur le fait que tu te dis que Grosso, il te fait de la peine, c'est que, si tu veux, j'ai l'impression que c'est un mec qu'on a pris, qu'on a mis là, qu'on a dit « vas-y, tu vas assumer, tu vas encaisser tout ce qu'on prend, tout ce que prend le club depuis le début de saison ». Parce qu'on enchaîne désastre sur désastre côté lyonnais. Comme tu l'as dit, on n'arrive pas à aligner des passes. Il n'y a rien dans ce club, pour moi, qui m'incite à dire que voilà, ils vont aller vers l'avant un jour où ils vont réussir à revenir. Si tu veux, quelque part, dans des clubs où tu te dis, bon, il y a moyen de faire quelque chose ou quoi que ce soit, il y a des signaux positifs qui indiquent. Là, j'ai beau chercher, sincèrement, et ce n'est pas pour te suivre ou quoi que ce soit. Encore une fois, on le répète, cette émission-là, c'est faite pour parler de notre vision du foot à nous, et non pas de faire de langue de bois. Il n'y a pas de signaux positifs dans cette équipe-là. Je ne vois pas où est-ce que Lyon peut aller vers l'avant, que ce soit du directeur sportif, du président, aux joueurs. Je ne vois vraiment pas, où est la solution côté Lyon, parce que je vois Hassan qui, dans les commentaires, qui commente la solution, du coup, qu'est-ce que ce serait ? Toi, ton avis, qu'est-ce que ça pourrait être, Jules ? Mais le problème, c'est que on peut parler du mercato hivernal. Oui, Penny, il arrive. Je te rassure. Il est là dans 3 minutes. Voilà. Si vous avez entendu le téléphone vibrer, c'est moi. Enfin, c'est KU qui me disait qu'il arrive dans 3 minutes. On va attendre le mercato hivernal. Mais c'est pareil. Le mec, il ne veut pas mettre de sous dans le club. Il a racheté le club, il ne veut pas mettre un euro. Et puis, il ne peut plus. Le mec, quand tu vois qu'il a fait signer Nouama à Molenbeek
pour se le faire prêter directement en se disant ça va passer crème. Mais le mec, c'est un fou. Il s'est fait rattraper par la patrouille. Ils lui ont dit non, mais hey, gars, si tu fais ça cet hiver, je t'explique, tu vas prendre des points en moins et tu vas. Bon, déjà qu'ils n'ont pas besoin de points en moins, mais tu vas tout droit dans le mur. Et moi, je vois pas. En fait, ce qui me fait chier pour eux, admettons que l'Américain il veut mettre des sous. Je vois pas comment il veut faire, mais je vois pas qui va venir à Lyon en fait. Ouais, voilà, j'avais pas vu Anas. Qui va vouloir venir dans ce bourbier? Parce que c'est un bourbier, c'est un vrai bourbier. Et aujourd'hui, j'essaye d'imaginer un peu, mais mis à part des révélations de Ligue 2 qui font 6 mois de dingue, des mecs remplaçants dans des gros clubs, mais encore une fois, ça a des gros salaires et on tourne en rond. Je vois pas, comme tu l'as dit, je vois pas comment ils vont faire pour s'en sortir. En fait, le problème il est là, c'est ça le problème. C'est que Hassan il demande qu'est-ce qu'est la solution. La seule solution c'est le mercato hivernal et c'est enfin la solution. Ça pourrait être le mercato hivernal, malheureusement. Je ne vois pas de gros chamboulements dans ce mercato hivernal à part des départs. Franchement, ça va dépendre des départs, mais je pense que ça peut faire du bien au club. En tout cas, moi, je suis vraiment inquiet. Je suis vraiment inquiet pour ce club. Ce n'est pas grave. Je vous avais dit 3 minutes, les amis. Donc, il est là. On l'attend tous. Je vous rassure, on l'attend tous. À la base, c'est 21h, mais voilà, c'est mon capi préféré, donc il fait ce qu'il veut. Donc, s'il y en a qui ne sont pas contents, ben, c'est pareil. Donc, voilà, il est là, Yannick. KU, on va l'appeler KU, c'est plus simple. Donc, on va regarder une petite vidéo. Regardez la petite vidéo parce que c'est assez rare pour la présentation. Même lui, s'il la regarde, profites-en, Fradé, parce que c'est arrivé très peu de fois. C'est repoussé par Tchouaméni, attention il y a du monde, il y a Cahuzac, il y a Sanogo dans la surface de réparation, c'est contré, ça revient sur Cahuzac qui égalise dans ce derby de la Garonne pour les Toulousains et c'est mérité vraiment pour des Toulousains qui ont entamé une deuxième période vraiment. Ça va Fradé? Ça va et toi? Bah oui ça va. Bon, je t'ai vu, c'est très rare quand même. Ouais, c'est très très rare même. C'est pour ça qu'on a mis ça. Hein. C'est pour ça qu'on a mis ça. Ça va ou quoi? Ça y est, t'es arrivé? Ça y est, je suis là. Fatigué? Non, ça a été la route un peu longue, mais tu la connais, mais ça va. Bon, en tout cas, sincèrement, ça me fait plaisir. Je te le dis franchement, ça me fait plaisir parce que je l'ai dit, je le dis chaque semaine, chaque émission. J'essaie d'inviter que des mecs déjà que j'aime, c'est mieux. Et tu le sais, je suis pas du style à faire semblant. Je t'ai dit, j'ai fait venir Jib. Il y a eu Andy. Il y a eu. D'ailleurs, Andy, il m'a dit ce soir, je regarde parce que j'adore KU. Ouais, Andy, c'est une pépite, Andy. Que ce soit en tant que footballeur, mais en tant qu'homme, c'est. Il m'a envoyé un WhatsApp, il m'a dit ce soir je me régale, il y a KU. Ouais, c'est un mec en or, Andy. Voilà. Et la semaine dernière, je fais venir Brandao, pareil. C'est, tu vois, c'est que des mecs. Voilà. Et bon, toi, c'est encore plus spécial. J'ai pas touché. T'as dit, j'ai pas touché. Il a dit, j'ai pas touché. On a un truc comme ça à la fin. Mais toi, c'est encore un peu plus spécial parce que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Mais déjà, sincèrement, merci parce que je sais que toi, ça. Non, merci à toi. Le plaisir est partagé. T'es pas non plus le plus communicant. Et le je sais que bavard, ouais. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir. Et donc, on va t'expliquer un peu le concept. Je te présente Asdin. Enchanté. Il est pro PSG. Donc, je vais on ne peut pas avoir que des qualités. Non, je sens bien. Il en faut. Asdin, vas-y. Si bah, tu écoute, veux te KU, présenter. Premièrement, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir sur l'émission. Comme j'en parlais un petit peu avec Jus juste avant, c'est un régal d'avoir une des figures emblématiques de Ligue 1.
Quand on pense à un joueur qui se donne vraiment sur le terrain, qui a faim, qui a la grinta, comme on dit, c'est vraiment à toi qu'on pense. Donc, c'est un régal de t'accueillir ce soir. D'autant plus, c'est quelqu'un que tu apprécies par-dessus tout avec Jules Palmieri, mon nouveau collègue maintenant. Donc voilà, j'espère que tu vas bien te prêter au jeu ce soir et répondre aux questions avec à cœur ouvert, vraiment. Comme on est là pour vraiment parler, si tu veux, foot détente. On n'est pas là pour se prendre la tête. Loin, comme tu veux, des présentations et questions solennelles qu'on peut retrouver sur les plateaux. On va parler foot, si tu veux, entre potes. Et ce sera vraiment détente. Donc voilà. Avec plaisir. Merci pour tes mots, en tout cas. Ouais, bon, il fait la langue de bois, il n'en pense pas un mot. Alors, après, non, ça se passe en deux parties. Il y a marquage à la culotte. C'est un truc assez simpliste. On va parler de toi, D'accord. en tant que footballeur. Après, on va parler de toi en tant que coach. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, tu es coach. On va faire Et muter après, on va. l'instant. Oui, bon, après. Et on va parler forcément du Sporting, de Lens, de Toulouse. Il y a un truc que j'aimerais aussi vraiment parler, c'est parce que je sais que tu l'apprécies beaucoup, c'est Aize. Et un peu voilà, de tout ce qui l'entoure, de la sélection. Voilà, on va parler de ça. Ça, D'accord. c'est marquage à la culotte. Et après, il y a ce qu'on apprécie, toi et moi, la commission de discipline. Plus quatre photos qu'on va te montrer et tu diras un peu ce que tu en penses. La commission de discipline, tu n'auras pas le choix, c'est soit l'un, soit l'autre. Style, D'accord. je te prends vite fait un essai, un truc, c'est CR7 ou Messi. Voilà, D'accord. juste ça, il n'y a pas de joker. Ça D'accord? va. Bon. Tu fais bien de préciser qu'il n'y a pas de joker, jure. Non. Attention, il n'y aura pas d'échappatoire ce soir. Ce sera la D'accord. ponce sèche. En tout cas, voilà. Tu as été formé au Sporting. Ouais. Même plus que formé parce que tu as été. Tu es le joueur emblématique du Sporting et je pense qu'aujourd'hui, enfin, j'aimerais savoir aujourd'hui ce que tu penses du club parce qu'on va parler chronologiquement, tout simplement. Alors non, je pense beaucoup de bien de ce club parce qu'il m'a, comme tu dis, il m'a fait grandir en tant que joueur, mais il m'a surtout aussi fait grandir en tant qu'homme parce que j'ai quitté le domicile familial à l'âge de 15 ans et voilà, ça a été. J'ai connu des personnes qui ont été une deuxième famille pour moi et qui m'ont permis d'être la personne et l'homme que je suis aujourd'hui. Donc j'ai vraiment un énorme attachement à ce club. Voilà, qu'on a dû quitter à un moment donné, un moment charnière de son histoire. Je pense avec beaucoup de regrets, mais voilà, après, on a tous fait nos chemins et j'ai toujours pris énormément de plaisir à y regarder. Et voilà, et très content aujourd'hui de les revoir au niveau professionnel. Surtout, voilà, surtout d'où ils viennent. Donc c'est vraiment, voilà, je prends beaucoup de plaisir à les voir évoluer. En plus, j'ai la chance d'avoir quelques joueurs. C'est ma première année en tant qu'entraîneur de la squadre et j'ai pas mal de joueurs T'as du qui? Sporting. J'ai Benji, j'ai Roncal, j'ai Christophe, il y a Doumé qui a pas pu venir cette année. J'avais beaucoup qui étaient passés au Sporting. Maintenant, j'ai peur d'en oublier. Enfin, j'ai pas mal de joueurs. Donc, non, c'est toujours un plaisir de regarder ce club et de le voir, voilà, revenir au plus haut niveau. T'as fait combien d'années en tout? J'ai fait de 15 à 33. Donc, enfin, avec la formation ou qu'en pro? Ouais, tout, parce que tu as tout fait d'un trait, donc tu as fait Ouais, 18 je ans. fais 15, 15-32. 15-32, ouais. 15-17 ans. 17 ans. Asdin? Impressionnant. Écoute, moi j'aimerais te parler juste si tu veux, d'une expérience qui peut être marquante dans la vie d'un joueur de foot de manière générale. Est-ce que tu peux me parler, si tu veux, de ton expérience de capitaine de Bastia pendant la saison 2011-2012, où l'équipe elle est sacrée championne de Ligue 2? C'est vrai que gagner un titre de manière générale dans le foot, c'est quelque chose d'important. Mais quand on porte le brassard, c'est quelque chose d'encore supplémentaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience lors de cette année-là? Qu'est-ce que tu as ressenti par-dessus tout? C'était quoi tes émotions à ce moment-là? Alors, sur cette année-là, c'était déjà ma seconde année, puisque en national, il m'avait déjà donné le brassard et on avait fini champion de national. Et en tant que joueur formé au club, en tant qu'insulaire, c'est vraiment une grande fierté de pouvoir porter ce brassard avec ce maillot. Ça m'a pas mis de la pression parce que
Je pense qu'en tant qu'insulaire, il est bien placé pour en parler. En tant que joueur formé, qui a cette pression de vouloir tout donner pour ce club, d'être performant. Mais c'est vrai que quand tu as le brassard, après, c'était une grande fierté pour moi. Après, enfin, peut-être que je me suis mis une certaine pression parce que je pense aussi que mes cartons aussi, c'est parce que j'avais tellement envie de bien faire. Je voulais. Bon, au final, je faisais tout l'inverse. Non. Mais ça a été une grande fierté pour moi de porter le brassard aussi longtemps et de ce club. Ça a été vraiment quelque chose de grand pour moi. Surtout que cette année-là, Asdine, il en parle, mais surtout que cette année-là, il y a un effectif. Donc, tu es le capitaine, mais on parle quand même, il y a des mecs comme Tofilou, Jérôme. Ouais. être capitaine de mecs comme ça doit être Ouais. assez impressionnant quand même. Ouais, non, c'est clair. Mais bon, après, tu les connais, c'est des bons mecs. Et pour moi, c'était super enrichissant de pouvoir évoluer avec des mecs comme ça aussi. Tu parlais justement de cette image. Bah, je la connais, cette image, parce que j'ai eu cette étiquette aussi. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que, bah, après, je te connais très bien, mais elle t'a collé à la peau alors que tu méritais pas tout ça. Et à la fin de ta dernière année au Sporting, où ça a été un florilège, et les années restantes. Bon, bizarrement, tu as pris moins de cartons à Lens qu'à Toulouse. Donc, bon, à Lens-Toulouse qu'à Bastia. Donc, on va pas faire une paranoïa, mais je pense que les arbitres, ils t'ont collé une étiquette. Et psychologiquement, on va parler de ta dernière année, je pense qu'elle a été très, 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 très délicate. Oui, la dernière année, je pense que j'en prends 5 sur la dernière année de carton rouge. Donc, après, je voudrais pas trop me cacher non plus parce que quand j'en prends autant que j'en ai pris, enfin, il n'y a pas de fumée sans feu non plus, mais certains, je dirais pas la moitié, mais un tiers, franchement, c'est vrai que Bah, c'est. celui d'Angers, il est Ouais, voilà, lourd. c'était un peu exagéré. Après, je sais que j'étais aussi une croix sur le terrain, que j'avais ce problème, j'avais un problème avec. Dès que j'avais ce sentiment d'injustice, j'avais envie voilà, de me faire justice moi-même, ou on pouvait vite me faire sortir de mon match, mais. C'est vrai qu'en étant à Bastia, en ayant joué qu'à Bastia, en ayant fait pas mal de conneries, que des fois après j'avais l'impression que le carton il sortait vraiment beaucoup plus rapidement sur certaines décisions. Asdine. Alors en tant que joueur expérimenté, si tu veux, avec toutes ces années d'expérience, tu nous as parlé de 17 ans tout à l'heure. Comment est-ce que toi tu contribues au développement des jeunes joueurs au sein de l'équipe du RC Lens? Parce qu'on sait que du coup, de par ton expérience, tu as un peu cette figure de grand frère. Personne qui va venir un petit peu encadrer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle de cette année-là et comment tu as contribué un petit peu à encadrer ces jeunes joueurs autour de toi? Alors, ça a été quand même spécial, moi, à Lens, parce que j'ai enchaîné de suite. Dès que j'ai arrêté, je suis passé de l'autre côté. Donc, je ne vais pas dire les trois quarts, enfin, plus des trois quarts, quasiment toute l'équipe. J'ai joué avec eux pendant deux, trois ou une saison. Donc, j'avais vraiment une grosse proximité avec les joueurs. Donc, ça m'a aidé, je pense, pour mon intégration, pour ce nouveau métier. Et. Après, même les jeunes, sur les dernières années, les lendemains de match, ceux qui jouaient pas, on faisait monter les jeunes. Donc, j'étais encore joueur, avec certains jeunes. Donc, c'était une relation particulière. C'est, comme tu dis, un peu de grand frère. Mais ça, ouais, c'était une relation de grand frère qui m'a aidé dans ce nouveau métier parce que. Je les connaissais, ils me connaissaient et ça a permis d'avoir énormément de fluidité dans nos échanges et dans les débats qu'on a pu avoir. Ok. Après le Sporting, tu es allé à Toulouse. Ouais. Tu peux expliquer aux gens pourquoi tu as choisi Toulouse? Non, tout simplement, à un moment donné, le club, on a attendu le plus tard possible. Je pense qu'on était tous. Enfin, on était tous convaincus que le club allait rester en Ligue 2. On voulait tous repartir. Et à partir du moment où, je me rappelle, c'était un match amical contre le Gaz, on a appris que le club ne repartirait plus au niveau professionnel. Voilà, moi,
J'avais encore envie d'évoluer au plus haut niveau. J'avais fait énormément de sacrifices dans ma vie pour arriver à ce niveau-là. Et j'avais encore à 32 ans. Je savais qu'il me restait que quelques années. J'avais encore envie de pouvoir évoluer au plus haut niveau. Et voilà, Toulouse m'a donné cette opportunité. Et je les remercie parce que j'ai vécu deux superbes années. Ça a été compliqué sportivement parce qu'on a joué le maintien, mais humainement et professionnellement, ça a été hyper enrichissant pour moi et ma famille. Et surtout que tu es de la région. Enfin, non, tu n'es pas de la région. Mais ton grand-père était de là-bas. Mon grand-père était ouais, du coin, et en plus il avait gagné la Coupe de France avec Toulouse, donc ça faisait encore un peu quelque chose de, enfin, des similitudes entre lui et moi. Allez, je viens de voir. Il y a ma femme qui vient de m'envoyer une photo. Je n'avais pas compris. À AFA, tu joues? J'ai fait un match ce week-end, mais je peux te dire que c'est mon dernier parce que vu l'état Ah ouais? où je suis, ouais. Ouais, il leur Je viens manquait de un te voir peu. sur sûrement une transversale pied gauche. Non, 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 tu le sais que je peux... c'est pas possible ça. C'était une passe en retrait. C'est une passe en retrait. Le transversal pied gauche, ça n'existe pas chez moi. Ah, mais je pensais que tu étais juste entraîneur là-bas. Ouais, mais en fait, ils m'ont demandé de. Hein? Il manquait du monde ce week-end. Ils m'ont demandé si je pouvais dépanner. J'aurais rendu service. Carbo? Hein? T'as fini carbo? Carbo, t'imagines même pas. J'ai joué blessé. J'ai joué blessé parce que quand ils m'ont demandé ça, j'ai dit, et ça fait un an et demi que je fais plus rien. J'ai dit, il faut que je m'entraîne. J'ai été mercredi à l'entraînement. Il pleuvait gros comme ça. Vendredi, je suis retourné à l'entraînement. Sur une frappe dégueulasse, j'ai senti quelque chose dans l'adducteur. J'ai dit, bon, Un c'est bon. rappel. Un rappel. Bon, après, il y a eu des circonstances qui ont fait que il a fait son groupe, il manquait un joueur, il m'a appelé. Enfin, on s'est eu à 23 h et quelques, je suis monté. À l'échauffement, je faisais des passes, j'avais mal, j'avais mal. Enfin, ça a été, il a été très, très, très long le match pour moi. Mais bon, ça s'est bien fini pour l'équipe, donc je suis content. Hein? T'as fait tout le match? J'ai fait tout le match, frère. J'avais les crampes, écoute-moi. Tu me vois marcher aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais là, vous êtes en quoi là? R2? Non, en R1, ils sont. R1? Ouais. Ah Mais ouais. c'est une belle équipe, hein. Franchement, c'est un club qui a des gros moyens en termes de structure. Et franchement, j'espère qu'ils arriveront à monter parce que je pense que la N3, ouais, la N3 et la N2, c'est vraiment je pense, le niveau qui correspond aux infrastructures et à l'ambition des dirigeants et du club. Ils ont une belle équipe, ils ont de bons joueurs. Putain, agréablement surpris. Ah ouais? Ouais. Ah ben, tant mieux, écoute. Hein. Oui. Enfin, il y a un mec qui m'envoie tout le temps, je ne sais pas qui c'est, qui m'envoie tout le temps des messages. Je ne sais pas si c'est un joueur ou un supporter qui me parle tout le temps de AFA. C'est AFA, Anthony, pour venir à jouer là-bas. Donc, si ça vous intéresse, non, je rigole, je suis trop bien. Je tous les jours. Non, 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 je ne voudrais pas. Bon, après, tu as fait, donc, on parle de chronologiquement, tu signes à Lens, Ouais. forcément, tu signes à... Ça, moi, perso, ça m'a pas surpris, parce que j'avais déjà connu le Nord et je connaissais un peu la mentalité. Est-ce que pour toi, ça a été un choix logique, ou est-ce que, voilà, je pense que Jean-Loup, il t'a un peu aussi aidé à signer là-bas, enfin, aidé Lens à ce que tu les rejoignes. Je vais être honnête avec toi. Ça n'a pas été. Tu vois, j'étais vraiment, vraiment bien à Toulouse. J'étais apprécié du président, apprécié de tout le club. Et je vais être honnête avec toi. En fait, quand Lens vient vers moi, je les sens très intéressés. Ils me font une proposition. J'avais 34 ans. Ils me font une proposition de 2 ans. Mais je leur avais dit, je donnerai toujours ma priorité à Toulouse parce qu'ils sont venus quand j'étais dans la difficulté. Je ne voudrais pas le faire à l'envers. Tu vois. Donc à ce moment-là, j'ai été voir le coach qui était Casa et le président. Je leur ai dit, voilà, j'ai une proposition d'un club de 2 ans. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à moi? On veut te garder, on veut te garder. Et le président, il me dit, je te propose 1 an. Et j'avais une très, très bonne relation avec le président. Et je lui dis, président, non, il me propose 1 an et une reconversion dans le club. Et moi, je lui dis, président, j'ai encore envie de jouer. Faites-moi 2 ans, j'ai une proposition de 2 ans. La reconversion, je suis honnête avec vous, je la ferai en Corse. Je rentrerai chez moi et tout. Il me dit, non, Caillou, écoute, tu fais 1 an
Et après, on voit, mais bon, tu sais comment c'est, hein, quand tu es joueur, tu vas avoir des garanties, tu vas avoir la sécurité. Donc, je lui dis, non, président, faites-moi 2 ans. Non, KU, KU. Et je pense qu'il avait eu des infos comme quoi il fallait me faire 1 an pour 1 an parce que physiquement, ça commençait à tirer un peu. Tu vois. Et bon, et comme moi, je voyais pas les 2 ans, ben, j'ai dit, et en fait, dans mon entourage, personne ne voulait que j'y aille à Lens. Mon père, ma femme, ils voulaient pas. On était tellement bien à Toulouse que personne ne voulait que j'aille à Lens. Mais moi, Lens, ça m'a toujours attiré, la ferveur. Et honnêtement, je sentais qu'à 34 ans, j'avais plus les jambes pour jouer au plus haut niveau, tu vois. Et je m'étais dit, ça va me faire du bien de redescendre. Et bon, enfin, toi, non, parce qu'après, tu es parti dans la Ligue et tout. Mais moi, j'avais connu Bastia, Toulouse. On avait joué tout le temps le maintien. Et je m'étais dit, ça m'avait plu les 2 années à Bastia où on avait joué le haut tableau. Je m'étais dit, putain, je vais dans un club de Ligue 2 hein, qui va jouer les premiers rôles. Et je m'étais dit, ça peut être bien, tu vois, à 34 ans, d'avoir une autre pression. Tu vois, pas la pression du maintien, la pression de monter. Et voilà, et après, j'ai été voir le président. J'ai dit, président, moi, bon, je me suis engagé. Et là, il m'a dit, je te fais 2 ans. J'ai dit, non, je me suis. Ah ouais? Ouais, il m'a dit, je te fais 2 ans, mais j'ai donné ma parole et après, je suis parti. Après, c'est sûr que le fait qu'il y ait Jean, il m'avait dit Que du tout bien. le que du bien du club, des infrastructures. Et c'est vrai que bon, j'ai pas été choqué parce que c'était, enfin, j'ai été choqué, mais dans le bon sens du terme, parce que c'était des infrastructures de fou. Parce que Toulouse aussi. Bastia, toi et moi, on a connu les structures, c'était compliqué, mais quand j'étais à Toulouse, je sais pas ce que c'est maintenant, mais c'était super compliqué aussi, tu vois. Ah ouais? Et, ah ouais, pff, ils avaient un super centre de formation hein, chez les jeunes, mais chez les pros, c'était l'IGESA, un bis. Hein. C'était Ah ouais. incroyable. Et c'est vrai que quand tu arrives après à la Gaillette, j'avais l'impression Wow. d'être au Real de Madrid. Hein. C'est fou, l'année dernière, je me suis régalé, les corons et tout, j'en pouvais plus. Alors j'imagine même pas vous, pas tous les week-ends, mais un week-end sur deux, le stade. Enfin, moi, j'ai été choqué. Je dis franchement, c'était juste impressionnant. J'en avais les frissons. Les Ouais, frissons. c'est incroyable. Bon, enfin, moi, enfin, j'ai eu la chance d'être dans la bonne épopée. On a fait Ligue 2, on est monté. Après, on finit 7e. Enfin, c'était incroyable. Là, on jouait à guichet fermé. De pouvoir connaître ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas, il faudrait regarder, mais il me semble que ça fait 20 ou 30 matchs qu'ils sont à guichet fermé, voire plus. Et que tu joues Arsenal ou sans dénigrer qui que ce soit d'autres en Ligue 1, mais c'est pareil, tu vois. C'est incroyable. Il y a une ferveur, une passion du football là-bas. Je suis content d'avoir pu vivre ça, tu Tu as encore, bon, oui, je me doute bien que tu es encore en contact avec Jean-Loup, mais avec justement avec le coach par exemple, ou non? Ouais. Oui, Ouais. je m'entends très très bien avec le coach Hez. J'avais déjà une bonne relation en tant qu'entraîneur-joueur. Après, j'ai intégré aussi son staff et voilà, ça a fait que confirmer tout l'estime que j'avais de lui, du coach. Et quand tu es dans le staff, après, tu apprends plus à connaître l'homme. Et bon, voilà, on parle tous de lui en tant que coach, un super coach, mais l'homme, il est encore plus exceptionnel. Asdine, tu C'est nous un as truc. parlé souvent de. Il y a beaucoup de joueurs, surtout ces derniers mois, qui nous parlent de Franquès comme étant un coach exceptionnel. Est-ce que toi, de passer du joueur à dans le staff directement, est-ce que tu peux nous donner quelques anecdotes ou alors des faits marquants qui font que vraiment ce coach est si spécial aux yeux de tout le monde aujourd'hui, que ce soit les joueurs ou même dans les médias, qui sont assez critiques, et ce, avec beaucoup d'entraîneurs ou de joueurs? Là, ça fait beaucoup l'unanimité. Francaise, il est vraiment apprécié quasiment de tous. Est-ce que tu peux nous dire quelque part un peu les secrets de sa réussite? Qu'est-ce qui fait qu'il est si spécial aujourd'hui? Je sais pas, je pense qu'il a énormément de qualités à plusieurs niveaux. Tu vois. Déjà, c'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un qui est respectueux de son groupe, de ses joueurs, qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui a de la poigne aussi, qui a du caractère. C'est un très bon communicant. Et voilà, je pense qu'il a tous les ingrédients aujourd'hui pour être un super entraîneur de Ligue 1, voire plus, c'est ce qu'il est.
Après, c'est quelqu'un qui connaît son métier. Alors, il a explosé au plus haut niveau assez tardivement, mais ça fait 25 ans qu'il est entraîneur. Ah ouais. Il est passé par Rennes, il est passé au niveau amateur. C'est quelqu'un qui connaît très très bien son métier. Et bon, aujourd'hui, c'est bien pour lui de pouvoir voilà, être sous la lumière parce que je pense que voilà, il a beaucoup travaillé. Alors, je ne sais pas si c'était une fin en soi pour lui parce que c'est quelqu'un de passionné. Mais en tout cas, moi, je suis content pour lui parce que voilà, aujourd'hui, tout le monde peut voir le super entraîneur que c'est aujourd'hui. Moi, j'avais fait un interview où j'avais dit, j'étais hyper surpris. Alors, je sais que physiquement, on a fini dans le dur, mais j'étais un peu surpris en fait que t'arrêtes, parce que t'avais fait, parce que mine de rien, t'arrêtes. Paradoxalement, je trouvais que tu avais encore les jambes. Tu vois, alors que tu te pensais bouilli, moi je trouvais que, parce que j'avais suivi la saison, et comme tout le monde d'ailleurs, et encore une fois, comme tu l'as dit avec Toulouse, tu faisais l'unanimité, tu vois, en tant que joueur. Et moi, j'ai pas compris comment ça s'est fait, en fait, que tu t'arrêtes et d'un coup tu passes adjoint de Francaise. Alors, sur le terrain, enfin, je donnais tout, mais c'était le quotidien. Alors, il y a une méthodologie de travail qui a été mise en place par le coach et le directeur de la perf à l'époque. Et en fait, on essaie de s'entraîner comme on joue, avec la même intensité et tout. Et moi, physiquement, au quotidien, c'était trop dur. Alors, le coach et le staff, quand j'étais encore joueur, ils m'adaptaient. Dès qu'il y avait une séance qui était un peu plus légère, il me permettait de souffler. Mais bon, après, pour être performant et être au niveau de l'équipe, il faut essayer de s'entraîner un maximum. Et moi, c'était vraiment le quotidien qui était dur parce que, arrivé en fin de semaine, tu sais que les entraînements, ils sont un peu moins intenses, donc tu as le temps de récupérer. Mais bon, le quotidien des entraînements était vraiment très, très, très compliqué pour moi physiquement. Et après, ça, j'avais des douleurs que je n'avais pas eues par le passé. Et ça jouait après sur le psychologique. Donc, c'était dur. Mais comment t'es passé de joueur à adjoint comme ça là? Mais en fait, c'est parti de. Quand je suis parti à Toulouse, dans ma thèse, je faisais 2 ans et après je rentrais en Corse, tu vois. Et donc je commençais déjà à me poser des questions sur l'après, tu vois. Et très vite, je me suis dit, qu'est-ce qui me plaît dans le foot? Moi, ce qui me plaît, c'est le terrain, c'est le vestiaire, c'est la tactique, tu vois. Et après, j'ai commencé à discuter aussi avec Alain Casanova. Ça a été une superbe rencontre pour moi, que ce soit pro ou humainement, c'était une belle rencontre. Et on a commencé à échanger sur nos visions tactiques et tout. On était vraiment au début pas du tout dans le même sens. Et franchement, il a réussi à me convaincre sur plein de choses. Et après, je suis parti à Lens. Franck est arrivé. Pareil, on a commencé à avoir cette relation où on pouvait échanger tactiquement et tout. Et ça a été. Et voilà, et c'est de fil en aiguille, je savais que j'avais envie de faire ça. Lui sentait aussi que ça me plaisait. Et voilà, et après, il y a eu l'opportunité, un poste qui s'est libéré et il m'a fait cette proposition. D'accord. Asdine. J'aimerais que toi, tu me dises, pardon, c'est quoi les principaux enseignements que tu as tirés de Francaise? Tu parlais juste avant, dans la réponse que tu donnais à Jules, de tactique, que tu aimais vraiment beaucoup ça. Qu'est-ce que tu en as tiré un petit peu de ce rôle d'adjoint et aussi dans la préparation des matchs? Qu'est-ce qui était particulier pour toi dans ce poste-là? Bon, déjà, ce qui m'a le plus marqué, c'est que quand tu es joueur, tu te rends pas compte du travail que le staff Un autre fait parce métier. que ouais, c'est vraiment un autre métier et l'énergie, le temps que ça prend, c'est assez important. Déjà, j'ai été surpris par la charge de travail. Après, par rapport à Franck, c'est quelqu'un qui est minutieux, qui est dans le détail. Bon, et on le dit souvent, le haut niveau, c'est les détails. Franck, il est là-dedans. Mais il a toutes les qualités parce que ça a été un formateur, donc il est capable de former des jeunes et après avec des joueurs beaucoup plus expérimentés comme moi. Moi, j'ai fini en tant que limite numéro 8 par rapport au jeu de position qu'on avait. J'avais comme un poste de numéro 8. Donc même à 37 ans, il m'a appris plein de choses et tactiquement et tout,
Ça a été hyper enrichissant. Et quand on dit on apprend à tout âge, j'en suis l'exemple parfait. Parce que des fois, je revoyais des matchs, je me voyais faire des trucs que jamais j'aurais pensé mais à 25 ou 26 ans, alors que j'avais beaucoup moins de profondeur. Gens. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui... ça fait partie de sa philosophie de jeu. Voilà, il a une vraie philosophie de jeu. Et ce qui est le plus dur, et c'est ce qu'il arrive à faire, c'est de la transmettre à son groupe et que son groupe adhère. Et c'est ça, pour moi, sa plus grande qualité. Après, tu avais quand même deux monstres à côté de toi. Je m'en rappelle, Seco et c'était qui l'autre? Seco Doucouré, ouais. C'était deux phénomènes. Ouais, enfin, Seco, on l'a connu. Ouais. Il a explosé en fait. Ouais. Bon, après, on a connu Seco quand il avait 20 ans. Là, je l'ai connu, il avait 26-27 ans. C'était plus le même joueur, tu vois. Mais après, j'avais Guillaume en Ligue 2. J'ai beaucoup joué avec Guillaume Gillet. Et bon, et Tchèque, après Tchèque, il tapait à la porte, il nous poussait au cul et on va se venir. Hein. Bon, Fradé, j'aimerais parler un peu d'un sujet un peu plus sensible. Oui, dis-moi. Si ça ne te dérange pas. Je vais être honnête avec toi. Quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était une blague. Nice. D'accord. Ouais. J'ai cru que c'était une blague. Après, j'ai compris que voilà, que pourquoi. Et après, bon, ça s'est pas fait. Est-ce que comment tu peux expliquer tout ça en fait? Alors, mon choix, ça a été un choix sportif et aussi personnel, parce que voilà, j'ai vécu aussi derrière chaque entraîneur, chaque joueur est aussi un homme. Et personnellement, j'ai vécu une année assez, assez compliquée sur le plan personnel. Donc, avec ma famille qui est rentrée en Corse, c'est vrai que j'ai eu six mois compliqués où je me posais pas mal de questions sur le fait de rester à Lens. Et très vite, j'ai senti que voilà, c'était compliqué d'être sans mes enfants, que... c'était compliqué aussi de pouvoir les faire venir. Enfin, tu ne montes pas à Lens comme tu peux monter à Nice, tu vois. Donc, j'ai eu une réflexion sur les 6 derniers mois à Lens où voilà, je me disais, mes enfants me manquent, ça va être compliqué de repartir sans eux. Et j'ai eu l'opportunité de Nice. Donc, Nice m'offrait une superbe opportunité sportive parce qu'ils avaient un vrai projet. On le voit encore aujourd'hui. J'avais travaillé avec beaucoup de personnes qui étaient déjà en place. Voilà, j'étais à 30 minutes de mes enfants. Et c'est vrai que c'est tout ça qui a fait que j'ai porté mon choix vers Nice. Ça a été très difficile parce que Lens, ça a été peut-être mes meilleures années professionnelles. J'ai vécu des moments assez incroyables. Mais voilà, je pense qu'en tant qu'homme et en tant que... sportif, j'avais besoin de voir autre chose. J'arrivais à un moment de charnière de ma vie et voilà, j'avais besoin de voir autre chose. Et voilà. Alors après, je pense qu'en discutant avec les dirigeants et tout, on n'avait pas forcément pris la pleine mesure de ce, je sais pas si on peut appeler ça, de ce transfert ou de ce choix. Et c'est vrai que les supporters niçois ont très mal vécu cette information, puisqu'au final ça s'est pas fait. Et voilà, après je peux le comprendre, ça fait partie, c'est délicat parce que comme je disais, ce qui est dur quand on est joueur, parce que moi quand je suis parti de Bastia, j'étais à Toulouse, je sortais de deux expulsions contre Toulouse, donc je suis arrivé, c'était compliqué. À Lens, quand je suis parti de Toulouse à Lens, on avait fait peut-être l'une des plus grosses bagarres générales de Ligue 2 contre Lens, j'avais encore cette image là mais ça ne me faisait pas peur parce que j'étais acteur. C'était à moi de prouver. J'étais encore joueur. J'avais ces possibilités-là de prouver le joueur que j'étais. Là, en arrivant à Nice, en étant second ou troisième adjoint, à part jeter les coupelles, tu vois, tu ne peux rien prouver. Et en fait, j'étais trop dépendant des résultats de l'équipe. Et au final, j'avais vraiment l'impression, comme on discutait avec les dirigeants, que je concentrais trop de choses négatives autour de l'équipe alors que j'étais un simple adjoint. Et ça aurait été trop dur à vivre parce que ça ne me faisait pas peur d'y aller. Et après,
On sait les joueurs qu'on était, mais on sait aussi les hommes qu'on est. Donc, je sais que j'aurais su me faire apprécier, mais y avait trop de négativité autour de l'équipe par rapport à moi, et ça jouait pas. Donc, très vite, Voilà. on est Bon, passé parfait. Tout, que ce soit toi, Jean-Louis, moi, on part de trop loin Ouais, mais bon. pour aller à Nice. Ouais. C'est vrai qu'avec le recul. Non, mais bon, alors après, moi, tu sais, tout le monde sait que tout mon entourage sait que tu fais partie de. Après, je ne me suis pas caché, tu sais que tu es. Voilà, je t'ai toujours appelé mon capi, machin et tout. Donc, les gens, ils me demandaient. Et en fait, ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, c'est que justement, c'est ce que tu dis, c'est que derrière le coach, en fait, derrière ce coach, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'il y avait un mec. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de leur répéter, nous, toi, tu as été joueur de football, ça c'est une évidence, mais aujourd'hui, c'est une vie dans une autre vie. Et ce que les gens n'ont pas compris, justement, c'est ça, c'est que toi, ton passé de footballeur, c'est derrière, tu as fait ce que tu as fait avec le Sporting, avec Lens, avec Toulouse, et aujourd'hui, tu es dans un parcours de progression qui, quand tu vois le classement et tout, ce qui était logique, et c'est vrai que ça soit niçois, bon, alors après. Tu sais ce que voilà, tu sais ce que j'en pense et je l'ai dit haut et fort et ça m'a pas plu donc ce qui serait passé sur les réseaux mais toi comment tu l'as vécu? Je sais que tu regardes pas les réseaux donc Ouais. mais tu l'as t'as entendu des choses même du côté de Ouais. Bastia. Ouais, mais je vais te dire, moi, ma carrière, ça a été plus ou moins ça. Dans les clubs où je jouais, j'étais apprécié, mais après, je pense que je devais être l'un des joueurs le plus détesté de France, parce que dès que j'allais quelque part, c'était compliqué. Mais donc, j'ai grandi avec ça. Après, aujourd'hui, comme tu dis, derrière chaque joueur, il y a un homme. Et moi, je sais que mes choix, je les fais en tant que personne, en tant que père de famille, en tant que professionnel, mais surtout en tant qu'homme. Et à partir du moment où je suis aligné avec moi-même, que ma famille, mes proches savent le pourquoi du comment de mes choix, après, moi, ça me va. Après, je ne suis pas très réseaux sociaux. Ça me fait plus de peine pour mon entourage, parce qu'ils peuvent l'être. J'ai un fils qui a 13 ans qui commence à être là-dedans. Bon. Et il a été plus ou moins épargné. Mais c'est plus ça qui me faisait peur et qui pouvait m'atteindre que moi-même. Moi, je suis, à partir du moment où je suis aligné avec moi-même et que mes proches. Après, on a grandi dans un milieu, on sait qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Et à partir du moment où tu l'as intégré, après, voilà, moi, ça m'a pas trop affecté. Parce que je sais pourquoi j'ai fait mes choix, pourquoi j'ai fait ces décisions, et je suis tellement content de les avoir faits, parce qu'aujourd'hui, voilà, je peux être là pour mes enfants, pour mon truc. Donc ça m'a je suis serein sur ça, je suis serein. Vite fait, Asdinatan, je réponds juste à SJ, je vais répondre à la place de KU. Je te dis la vérité. Moi, je pense que KU, il est bipolaire. Te jure. Parce que si tu le vois dans la vie, tu te dis c'est pas possible. Voilà, c'est à la limite de la schizophrénie. Donc, je réponds à ta question, c'est pas du tout, du tout. C'était pas du tout, du tout, du tout la même personne. Et je sais ce que c'est parce que j'étais un peu pareil. Donc, non, on n'est pas la même personne sur et en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui a eu, je le sais, comme j'ai dit, ça fait plus de 20 ans que je le connais, il est d'une timidité presque maladive. Donc, je vous rassure, les amis, c'est pas du tout la même personne. Et comme il l'a dit, où il est passé, il a été adulé. Donc, je pense que c'est pas pour rien. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta place, KU. Mais C'est gentil. allez, vas-y, vas-y. Bah écoute, cette question, la question que je vais te poser, ça complète un petit peu celle qui a été posée dans le chat. Très bonne question, au passage. La question que j'aimerais te poser, c'est à quel point est-ce que ta carrière, tes choix, les rencontres même que tu as fait dans le milieu même du football, à quel point est-ce que ça a pu te forger, toi, en tant qu'homme? Parce qu'on différencie énormément la personne qui était le joueur de football Cahuzac, qui a eu vraiment une mauvaise étiquette un petit peu par moment,
de par les médias, mais bon, tu as dit juste avant que tout ça, tu regardais pas. À quel point est-ce que toi, tout ça, ça t'a forgé, ça a fait en sorte que tu sois l'homme que tu es aujourd'hui? En fait, c'est toutes ces expériences. Je dis que ça m'atteint pas aujourd'hui, mais ça m'a atteint au début. Parce qu'au début, j'étais sur les réseaux sociaux, très jeune quand j'étais à Bastia. Quand on est descendu de Ligue 2 nationale, j'en avais pris plein la tête. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, il faut que j'arrive à être dans ma bulle. En fait, c'est toutes les expériences que j'ai pu connaître au niveau professionnel qui m'ont forgé professionnellement. Et après aussi, on a tous nos expériences en tant qu'homme, en tant que père de famille. Et voilà, ça, c'est la vie qui te forge. Moi, c'est toutes ces expériences-là qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis et le joueur que j'ai été. Alors après, aujourd'hui, je suis pas fier d'avoir autant de cartons rouges parce que quand je vois mon fils qui tape sur internet mon nom, là, ils sortent pas les buts, hein, ils sortent le carton rouge. Mais en même temps, ça fait partie de ma carrière, du joueur que j'ai été. Donc, Personnage. voilà, du joueur que j'ai été. Je sais qu'à Toulouse, on m'a recruté parce qu'ils voulaient un joueur de caractère. Donc, ça m'a aussi aidé à certains niveaux. Ça m'a desservi pas mal de fois. Je pense que ça m'a plus desservi qu'autre chose. Mais après, je vais pas dénigrer le joueur que j'étais. Ça faisait partie de moi. Alors, pourquoi j'étais comme ça, je pense qu'on pourrait encore débattre pas mal de temps. Mais voilà, c'est toutes ces expériences de vie et d'expériences professionnelles qui ont fait que j'étais ce joueur-là, ce professionnel-là, et que je suis aujourd'hui l'homme que je suis. Après, à côté de ça, ce caractère-là aussi, ça t'a permis, je pense, ça t'a permis d'être capitaine partout où t'es passé, hein. Ouais, voilà, après sur un terrain, c'est vrai que je suis tellement compétiteur que j'ai vraiment envie de gagner. J'aime prendre mes responsabilités parce que je ne supporte pas perdre avec les idées des autres. Donc des fois, c'est comme ça, ouais. Ouais, tu as raison. Oui, c'est la vérité. Après, j'ai vu là, il y a eu Amandine. Je sais pas, je la vois tout à l'heure. Là, elle m'a posé une question tout à l'heure sur Insta. Toi, c'est une des filles parce que j'ai eu énormément de messages de Lensois, Bastia et même Niçois. Et j'ai souvent eu les messages de Bastia. C'était souvent les mêmes qu'elle a eu. Hein. J'ai été méchant avec KU, mais on l'aime trop. Alors, j'aimerais lui demander quels sont ses nouveaux projets professionnels et quels souvenirs garde-t-il de son passage à Lens? Bon, mon passage à Lens, que du bon, que du positif, assez exceptionnel, que ce soit sur le côté joueur que sur le côté entraîneur. J'ai fait des rencontres exceptionnelles, j'ai découvert un public et un endroit incroyable. On dit souvent que quand tu arrives dans le nord, tu pleures et quand tu pars, tu pleures aussi. Parce que, mais c'est vraiment le cas. Voilà, c'est une région qui est de passionnés, de belles personnes. Et voilà, donc au niveau de Lens, que des bons souvenirs. Et après, la seconde question, c'était à mes projets. Des projets. Mes projets, voilà, je pense que cette coupure me fait beaucoup de bien, personnellement, en tant Ouais. qu'homme. J'en avais besoin et là, ça commence un peu à me manquer. Je commence à avoir un peu les fourmis dans les jambes. Donc, je me laisse encore un peu de temps, mais j'espère retrouver un projet qui me correspond et qui m'intéresse d'ici la fin, enfin, pour la fin de saison. Ah, Jules, tu tu veux penses pas que l'inviter au FC Loupinou ou pas? Il y a une place non, pour lui ou pas, tu penses? ça va devenir un concurrent rapidement, je te rassure. On va faire en sorte d'être concurrent bientôt. Je le souhaite. Bien sûr. Est-ce que ça, je ne le sais même pas moi. Est-ce que tu as eu des transferts qui ont capoté? Des transferts qu'on capotait. Non, Même pas quand honnêtement. on était pendant les 20 ans, enfin pas les 20 ans, t'as fait combien de temps en pro au Sporting? Au Sporting, j'ai fait 12 ans. 12 ou 13 ans, Et il n'y a pas un transfert qui a capoté, il n'y a pas. ouais. Il y avait des clubs à l'époque, il me semble qu'il y avait, quand il y avait Fred Antonetti, il me semble qu'il était peut-être intéressé par mon profil, mais on était deux joueurs, il y avait Kafumba Koulibaly et enfin, on m'avait dit que ça se jouait un peu Il était où? entre lui et moi. Hein? Il était où?
Cafu, Cafumba, il jouait chez nous, en fait. Non, non, Fred, on tenait. Fred, il me semble qu'il était à Nice, à l'OGC Nice. Mais il ne savait pas capoter, je pense que c'était ils avaient fait Chouki et Cafumba, mais à l'époque, les dirigeants de l'époque Ah m'avaient ouais. dit que ça aurait pu. Mais bon, après, non, après quand on est descendu en national, j'avais Nantes qui était en Ligue 2 avec Philippe Andiane. Et bon, il me voulait. Moi, j'avais demandé au début de partir. Après, j'avais eu le coach Fred Hunt qui m'avait parlé, avec qui j'avais accroché. Et au final, j'étais resté. Mais non, voilà, des touches qui, au final, sont pas faites. Mais voilà, rien de. Pas un transfert qui a capoté, non. Bon, est-ce que je te pose vite fait la question, est-ce que le Sporting c'est d'actualité, enfin c'est d'actualité, est-ce que c'est un projet? Bon, c'est pas d'actualité, ça peut l'être, j'espère, peut-être un jour, parce que voilà, c'est toujours un club qui me sera cher. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que c'est pas parce que tu as été un joueur que tu es forcément un bon entraîneur. Voilà, aujourd'hui, je démarre un nouveau métier et j'ai envie de me former, j'ai envie d'apprendre. Et voilà, j'espère qu'un jour, quand je serai numéro un, peut-être que j'aurai cette opportunité-là, et ça serait un beau clin d'œil à l'histoire, tu vois. Mais non, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'apprendre mon métier et de passer mes diplômes, et j'espère, pourquoi pas un jour. Putain, tu m'étonnes. Et il y a une relation aussi que j'aimerais vite fait parler, c'est avec Flo Guizol. C'est une relation aussi. Bon, là, c'est encore plus que moi, mais c'est aussi pas pour lui, mais en grande partie, dans ton choix de Nice aussi, il a compté. Oui, bien sûr. Après, voilà, il est directeur sportif, c'est lui qui construit tout, enfin, qui est là pour mettre en place toute la politique sportive. C'est vrai que quand il m'a parlé du projet sportif, ça m'a intéressé. Après, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. On a pris notre premier appart ensemble. Donc, c'est sûr qu'on a une histoire de vie commune, enfin, assez importante. Il est quand même assez enfin il est quand même assez impressionnant, moi je trouve. J'étais sincèrement j'étais je le pensais pas aussi pointilleux, parce que où il est passé il a réussi, que ça soit Reims, que ça soit Lens, il a fait un travail monstre, et aujourd'hui à Nice. Donc comment il travaille? J'ai l'impression que c'est un phénomène. Ouais, je pense que c'est un phénomène. C'est quelqu'un de brillant, c'est un gros bosseur, c'est quelqu'un qui compte pas ses heures, et c'est un passionné. Voilà, je pense que il a toutes les caractéristiques pour réussir, et voilà, il le prouve aujourd'hui. Asdine, une question? Ouais, une question rapide. On parle souvent quand on évoque le mot football, d'émotion, tout ça, mais j'aimerais savoir, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu avant avec Jules. En quoi est-ce que le football corse en lui-même, il se distingue des autres et il offre une expérience, si tu veux, unique et particulière? Parce que c'est vrai que pas mal de joueurs ont eu l'occasion d'en parler et tu as l'impression que quand ils en parlent, ils ont vraiment les étoiles dans les yeux et vraiment la ferveur de tout un peuple, si tu veux, derrière qui ressort. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce football si particulier, toi? Bon, c'est compliqué pour nous, parce qu'avec Jean, on est d'ici, et c'est vrai que quand tu joues pour. Enfin, quand tu es né là, quand tu joues pour ton club qui t'a formé, avec toutes les valeurs qui nous caractérisent en tant que Corse, qui caractérisent le club, c'est vrai que c'est décuplé, parce que j'ai vécu des moments exceptionnels à Lens, mais même si c'était magnifique ce que j'ai vécu à Bastia, je pense que je ne pourrais jamais le vivre ailleurs. Mais parce que c'est notre club, on est de chez nous, on joue devant ses amis, on joue devant sa famille. Et pourtant, on est dans un autre contexte, hein. On n'a pas les bonnes infrastructures, on n'a pas les beaux terrains, on n'a pas On n'a toute la pas les logistique. salaires. Voilà, on n'a pas les salaires et tout. Mais de jouer pour ton club, pour cette écusson, c'est pour ce maillot devant les tiens, et on sait tout ce que représente ce club, toute l'histoire de ce club. C'est je sais pas, c'est prenant, ça te prend aux tripes. Et après, quand tu es sur le terrain, ça
soit ça te transcende, soit ça t'inhibe. Mais nous, je pense que ça nous a transcendés. On nous a transcendés. Et... Un peu trop, des fois. Ouais, des fois, même beaucoup. Mais non, et puis après, plus généralement, je pense que la Corse, c'est une terre de football, tout simplement. Il y a un vivier et on sait que, voilà, nous, on y vit, donc c'est, on peut en parler, mais il y a deux choses presque très, très importantes. C'est pour les Corses, c'est et la religion et le football. Bien sûr. L'un va avec l'autre et pour avoir, voilà, pour avoir joué longtemps au Sporting aussi, c'est vrai qu'on joue... En fait, tu as l'impression de jouer pour autre chose que du football, justement. C'est ça. Ouais, c'est clair. Tu as l'impression de jouer pour... je sais pas. Pour un pays. D'ailleurs, justement, j'allais faire la transition. T'es le sélectionneur, tu en as parlé tout à l'heure. Ça aussi. Ouais. Comment c'est possible? Comment je ne savais pas. Ben, ça a été. Vous savez, c'est une grande fierté pour moi parce que Dédé Liscal me l'a proposé. En fait, Jean-Michel Caval, ça a toujours été notre sélectionneur et il avait une sélection cette année et il ne pouvait pas se libérer pour les dates de la squadre. Et Dédé a. Comme c'était aussi la fin d'un cycle avec pas mal d'anciens joueurs comme nous qui arrêtions et qui passons de l'autre côté. Voilà, il a voulu aussi donner un renouveau au staff et il m'a fait cette proposition avec Anto Lipine et Gary et Arnaud Paul d'intégrer le staff. Et voilà, ça a été une magnifique opportunité pour moi. Et c'est la première fois aussi que j'étais numéro un d'une équipe. Et ça a été hyper enrichissant pour moi et un super souvenir. Même si on n'a pas réussi à gagner en Sicile, mais... ce qu'on a vécu là-bas, c'était assez intense et assez important pour moi aussi. Mais là tu l'es encore? Je pense oui, je pense oui que je le suis et j'espère le rester le plus longtemps possible. Asdine, une dernière question si tu veux, ouais, sur ça. Ça marche, ok. Bah écoute, je vais clôturer par parler un petit peu des jeunes. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, aujourd'hui, à ton niveau, si tu veux, apporter aux jeunes? Là, imaginons qu'on te prenne un petit, je ne sais pas moi, l'âge où généralement ils signent ou pas, où ils partent de leur maison. Tu as dit que toi, tu as quitté le domicile familial à l'âge de 15 ans, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux donner comme conseil à un petit, je ne sais pas moi, de 14 ans qui veut réussir dans le foot et qui veut avoir une brillante carrière? Quel conseil, toi, tu lui donnes? Bonne question. Je pense que, pour moi, quand tu pars tôt, le plus important, c'est de jouer. Alors là, on est dans une nouvelle ère, une nouvelle génération où il y a énormément d'argent, mais même à notre époque, je pense que au début, il ne faut pas se concentrer sur les contrats, il ne faut pas se concentrer sur l'argent, il faut vraiment se concentrer sur le fait de jouer un maximum de matchs, parce que le fait de jouer, ça t'amène énormément d'expérience, de vécu, et c'est là que tu peux prouver. Et après, plus tu joues, plus tu seras performant, et après, le reste, ça vient. Mais il ne faut pas se concentrer sur les contrats. Il faut vraiment réussir à être le plus objectif possible sur ton environnement, que ce soit perso ou du club, pour se dire que c'est dans les mains. C'est dans ce club, c'est dans ces conditions-là que je vais pouvoir m'épanouir le plus possible. Voilà, et se concentrer vraiment sur ses performances et le jeu. Et voilà, faire en sorte que tout soit réuni pour que tu sois le plus performant possible. Et voilà, c'est le conseil que je donnerais à un jeune. Parce qu'aujourd'hui, très, très, très tôt, ils sont sollicités par des agents, par des sponsors, par des clubs. Mais bon, si c'est pour partir et être le 14e ou le 16e, non, il vaut mieux rester dans un club où tu peux t'épanouir, tu peux jouer en étant dans les 11 titulaires. Enfin, c'est comme ça, c'est la réponse que je donnerai à ta question là. Bon, super. Caillou, marquage à la culotte, c'est fini. On va passer à la commission. Mon copain. On va passer à la commission de discipline. Donc, je te l'ai dit. Là, on arrive à la fin. C'est soit l'un, soit l'autre. D'accord. Et à la fin, il y aura 4 photos. Ça sera ton moment. Pas de joker, Jure. Pas de joker. Pas de joker. Il n'y aura pas d'échappatoire là. Non. On va essayer. Bastia ou Ajaccio, pas le club. Hein. Je parle de. Ah. Généralement.
Là, on parle de la ville, hein. On parle généralement. Bastia ou Ajaccio? Non, si on parle de club, j'irai Bastia. Si on parle de la ville, j'irai Non. Ajaccio, je suis ajaccien. On Ah, dit la quoi? Club question, ou la classique. Ajaccio? Non, Enfin, non, club ou non. ville? Pas club. Pas Pas club. club. Pas club. Ville, mentalité. Je suis La ajaccien, classique. Ajaccio. Ajaccio. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Messi. R9 ou Ronaldinho? R9. Nesta ou Maldini? Celle-là, elle est pour toi, papa. Je l'ai préparée. Je l'ai préparée exprès. Oh, celle-là, elle est compliquée, compliquée. Oh, Iniesta ou Maldini? Nesta, Non, Nesta. Nesta. Ah, Nesta ou Nesta. Maldini. Oui. Maldini. Ah, Nesta. Ah ouais, papa, dis pas qu'on t'a fait comme ça. Bon, resto ou maison? En ce moment, j'irai resto. Liga ou Serie A? Ah, Ligue 1, je ne connais pas assez la Serie A, mais Ligue Fred Dance ou Franck Aize? 1. Oh, elle est dégueulasse la question. Ah, celle-là, elle est moche. Hein. Oh là là, elle est dure, elle est dure, elle est dure. Je vais pas parler en tant qu'homme. Je vais pas te mettre dans le bourbier. Plus en tant que coach. Dur ça. Allez, j'irai Francaise parce que je l'ai connu après dans le staff, alors que Fred, j'ai connu que coach. Coupe du monde ou Ballon d'or? Coupe du monde. Impeccable. Monter en Ligue 1 ou en qualif Ligue des Champions? Ah. Pour moi, j'irai monter en Ligue 1. Pour le joueur que j'étais, monte en Ligue 1. Bon, Quelque chose quand pardon. même. Merci à tous. Je Mais t'en pas sors quand bien. vous vous êtes qualifié, quand j'y étais. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais Ouais. avec toi au milieu Ouais, du c'est vrai. terrain. L'ambiance, Ouais, elle c'était était incroyable. extraordinaire. Je t'ai dit, ça m'avait scié, moi. Ouais, c'était impressionnant. C'était Pourtant, impressionnant. je te dis, j'ai toujours dit que moi, mon plus gros stade, c'était Naples, où j'avais joué. Où Ouais. c'était. Mais là, pour le coup, je m'imaginais même pas, tu vois, C'est dans le club. contre la CA qu'on s'est qualifié contre pour la Ligue des Champions. Ouais. Ouais, c'était incroyable, c'est vrai. Ouais. C'était incroyable. Mais enfin, moi, ça m'avait. Tu vois, je m'imaginais joueur ou toi dans le staff. Je me disais, mais Ouais. les mecs, en fait, cette année-là, ils ont vécu sur une autre planète. Mais tu vis pas pareil quand tu es dans le staff des joueurs. Hein. Tu, moi, acteur, moi, ça m'a. Tu le vis, Ah hein, c'est des émotions, mais ouais, quand tu es joueur, c'est différent. C'est pour ça que je t'ai répondu monter en Ligue 1, parce que elle m'a plus marqué, enfin, mes montées en Ligue 1 avec le Sporting et Lens que la qualif. Bon, après, aussi, enfin, personnellement, c'était pas ma meilleure des années l'an dernier, donc ça aussi, mais. Les montées en Ligue 1, elles m'ont vraiment, vraiment, vraiment marqué. Surtout à Bastia. Ouais, tu m'étonnes. On va te montrer 4 photos, KU. On va te Allez. montrer 4 photos, ça sera terminé. Tu nous dis un peu après, voilà, ce que tu veux sur les photos. D'accord. Allez, la La squadre. première. La squadre, c'est pour moi, c'est une putain de fierté de pouvoir porter ce maillot et aujourd'hui de pouvoir être l'entraîneur de cette squad. Voilà, j'ai pas loupé un seul rassemblement sur toute ma carrière. Même quand j'étais blessé, j'allais avec le groupe. Voilà, un grand merci à Dédé Discal parce que voilà, aujourd'hui, si cette squadre elle existe, c'est grâce à lui. Et voilà, je suis très fier et honoré d'avoir pu porter ce maillot. On avait une drôle d'équipe là quand même. C'est clair. Il y a Hein. Toto, non? Il y a Toto, il y a. Non. Il y a Toto, François. Non, là, il n'y a pas Toto. Il y a François, Greg, Nico, Penneteau, Nico, Pascal JB, Berenguer. Pascal, Yokava, Ligari, Antolipine, Gilou, Une belle Jean-Jacques, équipe. toi et moi. Et Christophe, Jean-Louis et Christophe Gaffor, Idoumé, Agostini. Ouais. Belle équipe.
C'est Belle clair. équipe de débiles aussi. Deuxième photo. Ça, c'est moi qui suis Oui. allé la chercher. Ça, c'était beau, un grand souvenir. C'était à Monaco, on se qualifiait pour la finale. Bon, tu te rappelles, hein, Ouais, c'était incroyable. Enfin, moi, la finale, je l'ai mal vécu parce que bon, je pense qu'on est les seuls à penser qu'on l'aurait gagné si on est resté à 11. Mais ça a été un grand souvenir, la finale. Mais la demi, ça a été incroyable. C'était incroyable. De Wow. se dire qu'on allait jouer une finale au Stade de France, c'était incroyable. Moi, enfin, pour moi, quand on me demande mon plus beau souvenir, je réponds ça. Ouais, mais ça m'étonne pas. Je réponds Monaco-Bastia parce que Ouais, je c'est ce me. qui nous a amené. C'était incroyable. Ouais, moi aussi, je dirais. Bon, moi, j'ai la nationale et la Ligue 2 qui m'ont vraiment Ouais. marqué, mais la demi, elle a été incroyable. Bon, même Paris, hein, quand tu marques ton but, Oui. ça a été. Mais c'est vrai que Mais là. Monaco, ça fait partie des grands moments qu'on a pu vivre. Bah, c'était extraordinaire. Troisième photo. Bon, bah, moi. Résumé. Et encore, non. Ça serait te dénigrer de résumer le joueur que tu étais sur ça, parce que il avait un sacré pied gauche, il avait un sacré crochet que à la fin je me demande, il faisait toujours la même et il passait tout le temps. Je comprends pas que les équipes les anticipaient pas, mais c'est incroyable. Il faisait toujours son même crochet, feinte d'ouvrir pour vous crochet, il partait. En plus, tu avais des jambes, donc c'était incroyable. Mais bon, il J'ai vu faudrait pas. Faudrait pas de parler du beurre que sur cette photo. ça m'a touché, tu avais fait ton 11 préféré, j'étais dedans. Hey, Ah ouais. j'étais un sacré joueur. Merci, je te retourne le compliment. Et la dernière photo, les amis, pour après relâcher KU. Je sais pas, je vais lui dire une connerie peut-être. Je sais Non, pas. mais qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce qu'il représente? Et tu le Non. vois sur cette photo qu'il est. Enfin, je sais pas, il y a presque. Pour moi, il y a presque de la fierté. Tu vois ce que je veux dire? Je sais Non, pas, je mais le vois. non, Franck, c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme, parce que voilà, quand j'étais dans le staff avec lui, j'ai eu une année di difficile personnellement, et il a été aussi là pour moi, pour l'homme, pour le père de famille. Et voilà, comme je vous dis, c'est un entraîneur de très 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 haut niveau, mais c'est un homme avec un grand cœur. Et voilà, c'est quelqu'un qui a marqué ma vie en tant que professionnel et qui m'a aussi beaucoup aidé en tant qu'homme. Et voilà, c'est quelqu'un, je pense, avec qui j'aurai toujours une très bonne relation par la suite, dans le futur. En tout cas, c'est tout ce que je me souhaite. Elle me fait penser à Zidane et Ancelotti, celle-là. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit. Je sais pas, mais Belle bon. comparaison. Ouais, Hein. plus Enfin, la pour comparaison Franck, est parce belle, que je mais vois des années-lumière de différence. je ne sais pas si tu vois la photo. Quand Zidane il est adjoint et qu'il gueule sur le groupe et Ancelotti il le regarde. Je ne sais pas si tu la vois, cette photo. Non, non, mais Non. j'irai la chercher en tout cas. Vas-y. Bon. Allez, je vais te laisser tranquille encore une fois. Non, Tu m'avais c'est. dit. Tu m'avais dit 1 heure et on a grappillé un peu, désolé, Non, c'est avec mais plaisir en tout comme je t'ai dit, c'est voilà, on essaie de faire cette émission pour aussi pour ça, pour que les joueurs puissent s'exprimer sans voilà, sans faire de la langue de bois, sans faire des questions que tu as tous les jours, sans faire des réponses à la con. Et quand teamfootball.fr m'a. Il me semble avoir transmis dans son cadeau. T'as eu un cadeau d'Amandine? Avoir transmis dans son cadeau de fin de saison dernière. Ah, transmis quoi? Bref. Et donc, quand teamfootball.fr m'a contacté, je leur ai dit que je ne ferais pas dans. Tu vois, tu doutes bien que je n'allais pas faire dans le. la langue de Dans ce bois. qu'on voit toujours. Voilà. Et donc, il me fallait que des invités où je voulais
exprimer toute ma gratitude en les invitant, et aussi parce que je le dis à chaque fois, j'ai aimé les hommes, les footballeurs. Toi, tu le sais parce qu'on est encore en contact, mais sincèrement, voilà, merci encore parce que je sais, comme je l'ai dit, je sais que t'es pas un grand grand fan des interviews, de tout, des journaux, des réseaux sociaux, tu l'as dit. Donc je sais que tu l'as fait de bon cœur. Et sincèrement, Avec grand merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup parce que, comme je l'ai dit, j'ai que des invités. Toi, j'ai fait Jib, Branda, Wandy. Toi, la semaine prochaine, tu verras. Et si tu regardes un peu, tu vas rigoler. C'est encore quelqu'un. C'est pas un footballeur. Il a Ah, été d'accord. footballeur. Il a été footballeur, très grand footballeur même. Mais tu vas très, voilà, ça va être super. Il y aura plein d'anecdotes. Et je suis très content, sincèrement très content d'avoir pu te donner la parole aussi et de pouvoir t'exprimer sur. Parce que je sais que beaucoup de Bastiais m'ont envoyé des messages. Et comme je t'ai dit, ça a été souvent les mêmes. Il nous a énervés, mais on l'aime toujours. Donc, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de Bastiais. Et merci à toi. Sincèrement, merci. Ouais. Merci à toi Adeline. beaucoup. C'était un plaisir de t'accueillir ici, que tu nous répondes aux questions à cœur ouvert, comme l'a dit Jules, et vraiment sans faire dans les formules de d'habitude. C'était vraiment un plaisir et bah écoute, tu reviens quand tu veux, tout simplement. C'était vraiment super de t'avoir ce soir. Merci encore. C'est gentil, merci. Le plaisir a été partagé et je vous souhaite tout le meilleur dans, enfin, je vous le souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle aventure. J'espère que cette émission va cartonner. En tout cas, voilà, On le je souhaite. serai enfin, je serai là pour regarder et regarder cette belle émission et sans langue de bois. Et ça fait du bien aussi de voir ce genre d'émission dans ce milieu-là. Merci, Frédé. Merci. Tu peux aller faire dodo maintenant. Merci à vous en tout cas. Merci. Passez Dors une bien. bonne fin d'émission et au plaisir. Ciao, Fadi. Salut, Ciao. ciao. Au revoir. Voilà, Zdine. Là, les amis, voilà. Cahuzac, je vous l'avais dit, il est spécial. C'est quelqu'un que j'ai toujours aimé et que je connaissant le bonhomme, j'aimerais toujours parce qu'il est incroyable. En tant que joueur, il est incroyable, mais l'humain, il est encore au-dessus. Voilà, les amis. J'espère qu'il a pu répondre à toutes vos questions. J'ai eu beaucoup de messages et c'était souvent les mêmes questions. Donc, on a essayé de regrouper un peu tout ça. Merci à vous. Bon, finalement, ben, on va essayer de clôturer comme ça parce qu'on a bouffé encore du temps. On a eu le temps additionnel. Ouais. On va pas faire le duel. On le fera la semaine prochaine, mais je vous le dis, la semaine prochaine, les amis, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous plaire. Parce que question anecdote, question voilà, humain, je pense que dans le football français, on fera pas mieux. Voilà, dans le football français. J'espère, Azdine, que pour ta première, ça t'a plu. Bah écoute, c'était génial. Encore un grand merci pour l'invitation. C'était vraiment, je me suis régalé. Comme on s'y attendait, il n'y avait vraiment pas de pression. C'était vraiment détente et j'ai vraiment adoré le faire. Vraiment encore un grand merci. Je te l'ai dit, je l'ai dit, je n'oublie pas, j'oublie pas avec qui j'ai commencé, avec qui je vais continuer. Donc c'était un plaisir partagé et tu le sais, si je le dis, c'est que je le pense. J'espère que toute la famille Sané va bien parce que Ouais, je me rappelle si, si, si. du papa, de la maman, du frère, je me rappelle de tout le monde. Et ça me fait vraiment plaisir parce que quand on m'a demandé un nom, je le dis aux gens, quand ça s'est arrêté avec Yacine de Foot à Vue, football.fr peut le dire, je t'ai cité direct parce que tu as une facilité, tu es un passionné de football, donc sache que le plaisir, il est partagé. J'espère qu'on
qu'on en fera encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, mon poteau. En tout cas, Oui. voilà les amis. On arrive sur la fin, encore une fois. Désolé, teamfootball.fr, hein, on a fait du temps additionnel, comme à chaque fois, parce que les invités, je me répète, ils se lâchent et ils parlent pas. Ils restent plus longtemps que prévu à chaque fois, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission. Si vous voulez la voir en replay, sachez que dès ce soir ou dès demain matin, elle sera en replay sur YouTube et sur, voilà, on se répète encore, mais voilà, pour trois émissions, une émission qui n'était pas connue, je vous remercie encore. On vous remercie, teamfootball.fr, on vous remercie parce qu'on va passer la barre des 100 000. Et aujourd'hui, dans ce monde de réseaux sociaux où tout le monde se bouffe, c'est quand même pas mal. Aujourd'hui, dans le monde du football, avec toutes ces pseudo-émissions à la con où on peut rien dire et sur les réseaux où chaque mot est étudié, faire 100 000, c'est... Non, Nias, c'est... Mais il y en a un des deux, je te rassure, normalement, il va venir. Et en tout cas, voilà. Merci à vous. Merci à teamfootball.fr. Je me répète encore une fois, mais vous me laissez carte blanche. Vous m'avez laissé carte blanche pour Asdin. C'est parfait. Vous me laissez carte blanche pour mes invités, pour m'exprimer, pour nous exprimer, pour parler football. Donc voilà. À la semaine prochaine, Asdin, si tu veux. Je La vais semaine prochaine, te du. laisser finir. Tu sais quoi? Pour ta Ouais. première, je vais te laisser finir. En tout cas, merci à vous. Vraiment, sincèrement, je vous souhaite une bonne nuit et restez un peu pour que Asdin puisse terminer. Merci à vous. Ouais, je vais conclure. Bah, écoutez, une belle émission qui va se clôturer aujourd'hui. Le mot de la fin, encore une fois, on n'oublie pas de suivre Team Football sur tous les réseaux sociaux. Important. On est au début, on a besoin de la force. J'espère que ça vous aura plu. Et écoutez, moi je vous dis à très vite pour des prochaines. Et bonne nuit à tous. Salut l'équipe. Ciao, la Non, j'ai pas touché! Déjà deux Non, fois. non, D'accord. j'ai pas touché!